I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, with a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, with a phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybree, ooh. Right beside me, in the phantom off that body, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a boot wetter than Niagara, ooh. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash, ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth, none of them with me in these streets, ooh. Skybree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me in the phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Skybree, ooh. Right beside me in the phantom off that body, yeah, yeah. Ça en fait Twitch, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver. Je regarde si tout fonctionne, le son fonctionne. Le son de Xbox fonctionne, c'est juste moi qui ne l'ai pas en face dans les yeux. Hop là. Oula. Hop là. Ah oui, c'est vrai. J'ai les drivers de ma carte graphique que je dois remettre à jour. Et que j'ai coupé en zappé. Parti pour du Forza. Forza que j'aime pas mal en fait. C'est vraiment cool. Ah merde, le quick resume ne fonctionne. Il devrait pas fonctionner le quick resume en fait. Ah, c'est mieux. Pourquoi il devrait pas fonctionner le quick resume? Parce que j'ai lancé le jeu sur ma Xbox Series X. Et du coup, j'ai avancé dans le jeu. Et la sauvegarde n'est pas au même point. Et le jeu est censé détecter que le jeu n'est pas au même point et donc désactiver le quick resume. Donc cette scène-là, là, la scène d'ouverture en HDR, que c'est, l'écran que j'ai là n'est pas HDR, le stream n'est pas en HDR, mais du coup en HDR, ça défonce. Alors j'ai juste oublié un truc, non, je suis bien sur Forza Motorsport. Et je ne sais pas si je laisse en 60 fps ou pas. Après, vu qu'on est sur du 720p en stream, on va laisser en 60 fps. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai essayé d'avancer dans le jeu. Mais à un moment dans le jeu, en fait, t'as assez d'argent pour acheter... une voiture pour continuer et j'ai acheté une voiture qui me permet de faire aucun des championnats. Et du coup c'est un peu con parce que en fait je suis bloqué dans le mode carrière. Et pour me débloquer, parce qu'en fait dans le mode carrière, je vais vous montrer hein, tout simplement. Parce qu'en fait dans le mode carrière, tu vois, les rassemblements sont bloqués. Donc, ils sont loqués. Donc je suis obligé de terminer le championnat performance. Le problème c'est que pour le championnat performance, on demande d'avoir une voiture précise. On demande d'avoir l'ancienne Mini. Les voitures à rayons modernes ont évolué. Ou une autre voiture à rayons modernes, comme ils disent. Circuit. Grande maniabilité, puissance d'arrêt incroyable, réponse turbo instantanée. Et pourtant, elles conservent leur conception pratique et leur chargement substantiel. Les constructeurs compétitifs ont toujours intégré une ingénierie de pointe pour un ensemble rapide et maniable dont on aime repousser les limites. Et avec les améliorations disponibles, les conducteurs élaboreront des stratégies pour en tirer... Salut Keitaro 87, comment tu vas ? Et le gros problème, en fait, c'est que du coup, je suis coincé à faire des courses de merde où je gagne 3000. Jusqu'au moment où j'aurai assez pour acheter... Ils sont chers en plus, 78 000. Attends, pourquoi il y a le logo avec le carte?
Ah, il y en a une qui est préachetée. Là, on peut l'avoir gratos. C'est encore pire. Celle-là, pour la voir, il faut que je paye 18 euros ou 35 euros. Et l'abonnement VIP ou l'extension. Alors ça, c'est le pire. Malgré, c'est un claqué pour la nouvelle saison d'Overwatch. Il y a une nouvelle saison qui est sortie. Tu vois, je sais même pas. 57 000. En plus, la bilis, c'est la moins chère. Ah non, il y a la Hyundai à 54 000. Pas ouf. Hein. Et du coup, j'ai 15 000. Et ça c'est chiant. Ça, c'est chiant, mais ça m'apprendra à avoir sauté sur la mini. Mais je pensais qu'il y avait des voitures en location. Et dès que tu passes à enthousiaste, tu vois, ils sont tous loqués. Pourquoi ils sont tous loqués. Legacy, ils sont tous loqués. Open class, loqués. Ça non plus, je peux pas la faire d'ailleurs. Salut El Matador à 38. Comment est-ce que ça crache deux fois. Oui, un nouveau mode d'Halloween, son bras qui a été rework. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait son bras maintenant? Pourquoi elle traque tour? Ah, c'est ça. Bon, bah, on va faire des tours en mode normal. Putain, j'ai envie de jouer à Overwatch maintenant. Je l'ai sur mon PC. En fait, t'as quoi comme mode? C'est vraiment austère, hein? Multijoueur. Jeux libres, rivaux. Multijoueur privé. On va essayer le circuit de. J'ai pu acheter dans la boutique de skins de Brigitte Nacré à 750 pièces ouvrages, ça me console un peu. Peut-on être consolé d'Overwatch? C'est la vraie question. Elle est trop rapide la Porsche. J'ai essayé, elle est ingérable. Par contre, ma Mini, je l'aime bien. Attends, il y a marqué acheter ou louer. Genre, je veux la Alpine. Jolie la Alpine. Louer, ça coûte combien? Elle rapportera pas d'XP. Ah, c'est gratos. C'est très bizarre. Genre, je peux prendre cette voiture et la louer. Ça rapportera pas d'XP. Son rat peut injecter un virus, de ce que j'ai lu, tu peux poser son gadget pour te TP. D'un point à l'autre de la carte, apparemment. C'est très bizarre ce que tu racontes. Faudrait que je vois de mes propres yeux. Je sais pas quoi prendre. Y a plein de voitures qui m'intéressent pas, c'est un truc de ouf. J'aime bien cette BM là. Une voiture que vous aimez bien dans le chat? Une DS3. Une DS3 Racing. Ferrari. De Stradale. Il n'y a pas des Tesla? Genre, est-ce qu'il y a une Tesla dans le jeu? Il n'y a pas Tesla, putain. Il y a quoi comme voiture électrique à part Tesla? Je vais pas prendre ça quand même, la Toyota. Si, ça c'est bien la voiture d'Otaku, tu vois. Mais à ma question est, est-ce qu'on gagne quand même à Koné minuit? Ça va être la météo en pluie torrentielle. Nombre de tours, on va mettre 2. Let's go. Attends, qu'est-ce qu'il y a en aléatoire tracé? Circuit du club.
Et toi, en quelle résolution sur Series X, Series S, le jeu? Une telle perte de vitesse te fera perdre du temps par rapport à tes concurrents. Un skin Pharah à obtenir à partir des drops Twitch. Ah, c'est cool ça. Il devrait être éligible normalement. Vous aimez bien Forza là? Mais sa mère Je comprends pas pourquoi les ordis sont aussi agressifs en fait. Ou alors c'est les drivatars des gens que j'ai en ami qui sont aussi agressifs, je sais pas. Salut Game King, ça va? Les boucs qui t'explosent la gueule quoi. En vrai de vrai, sur Forza, j'ai du mal à faire la différence entre avec et sans ray tracing. Je vois des artefacts sur la route avec des essuie-glaces. Je suis pas sûr qu'ils soient pas sans ray tracing. Même sans ray tracing, le système de reflet est vraiment amélioré. Si je sens quand même qu'il y a moins de lumière, parce que genre la lumière bleue du panneau, avec le ray tracing, t'as l'impression que c'est bleu quoi. Ça rend bien la nuit, ouais, ça va. Oui, ça va. Ah mais ce jeu, dès qu'il y a plein de sources de lumière en fait, c'est très très bon. Après le problème c'est que tu peux le comparer à Forza Motorsport 7. Pour y avoir rejoué, je vais refaire des captures de gameplay dessus. Bon, au premier abord comme ça, t'as l'impression que c'est comme Forza Motorsport 7. Quand tu relances Forza Motorsport 7, tu te rends compte que t'as pas toute cette dynamique de météo, etc. Un circuit peut être très moche aussi, hein. Donc d'après le patch note d'anglais, notre secrétaire ne peut plus être posé manuellement. Je crois que je vais arrêter. Oula. Je vais arrêter Forza pour lancer Overwatch pour voir le. Le massacre. Là, c'est là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit pas assez la lumière du panneau. Enfin, le bleu qui est là. Et pour mettre sur Xbox Series. Pour mettre le ray tracing, il faut jouer sur Series X. Salut, Mike Angel! Comment ça va? Ouais, je suis sur la Xbox Series S. Attends un peu avant de créer sur Overwatch. Ah, ça se trouve, c'est bien, je sais pas. Les joubeaux en DPS, son bras c'est mon préféré, ouais. Avant je préférais Widow, mais je préfère son bras. Putain, mais 2500 par 2500, je gagne d'attune comment? Si je fais continuer, il se passe quoi? Il est marqué quoi? Couvert humide? La météo elle est aléatoire quoi. Ouais, c'est aléatoire. Le truc dans ce jeu, c'est que des fois, les circuits sont vraiment pas mis en avant. Comme là, par exemple, comme il fait gris. Sois rapide, c'est pas ouf. Mais évite de faire déraper ta voiture dans les grands virages de Hakone. Une telle perte de vitesse te fera perdre du temps. Au moins, tu peux jouer avec la voiture que tu veux.
Mais c'est un peu bizarre parce que du coup, t'as pas le. Tu sais, normalement, t'as le plaisir d'acheter une voiture et de la découvrir. Là, je peux découvrir littéralement la voiture que je veux. Une Volvo, ça? Alors, bizarre. Je regarderai demain sur le jeu si je peux racheter le skin de Kaito 2022 de Halloween avec les crédits d'Overwatch. Bonne question. La Golf Air, elle a l'air pas mal. Hein. C'est toutes les voitures qu'il y a là, là. Normalement, il y a 200 voitures. Ouais. Il y a 200 voitures, dont 80 Subaru. Après, elle est... cette voiture est culte. C'est une Subaru, après ça, celle-là. Ah, c'est une Negati. La RBZ. La BRZ, pardon. Les Salines. La Renault 8. Ah, la Renault. Claquer la RS, putain. QRS, elle est jolie, 2016. Claquer la RS 2008. La Clio V6. Soit je roule la Clio V6, soit je prends la Renault 8 Gordini. Je prends la Renault 8 Gordini juste pour vous faire chier. La Loup. À quoi ça sert d'acheter des voitures du coup dans le jeu? Mode carrière, il sert pas à grand chose. Ils font pas trop leur choix. On va lui me mettre en 30. Après, on va passer en mode graphisme. J'ai pas encore joué sous la brume non plus. J'adore le comportement de cette voiture. Ça tangue avec les suspensions. Du coup, quand tu tournes et que tu dérapes, c'est Starkey Hutch. C'est bien pour drifter, hein. C'est une propulsion, apparemment. Non, ça va être une traction. Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Elle accélère pas assez fort pour que je fasse déraper l'arrière. Je pense quand même qu'ils auraient dû mettre un mode avec moins de reflets, avec des reflets moins bien faits en fait, et une résolution un poil supérieure, mais en 60 fps. Pour ceux qui jouent en mode semi-compétitif, quoi. Parce que là, quand tu joues en, si tu joues en compétitif, t'as besoin de 60 fps là-dessus, y'a pas photo. La mode 120 serait même le bienvenu. Comme y'en a sur Gran Turismo 7 d'ailleurs. Quitte à avoir à dégrader les graphismes parce que bah, t'as des joueurs e-sport. Enfin, si Forza veut se lancer dans l'e-sport. Après, je sais pas si e-sport et série S, ça va ensemble. Et techniquement, tu devrais être capable de jouer en e-sport avec une série S. Waouh!
J'ai désactivé les aides à la conduite. J'aime pas quand sur le sol il y a les moitiés rouges et verts. C'est une des mauvaises habitudes en fait. Après, tu joues en compétitif, bah, ça te met des marqueurs en plus. Mon père avait en plus en rouge cette voiture. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris d'avoir acheté ça d'ailleurs. Et avant ça, il avait une ancienne. Voiture qui ressemblait à la Mini, mais c'était pas la Mini, c'est la concurrente de la Mini. J'ai l'impression qu'il y avait le mot métro dedans. J'ai pas mon téléphone à côté. Attends, c'est où les tours? Ah. Encore GG pour les deux nouveaux t-shirts que tu as reçus, dont on a vu les photos sur Discord. Oh oui, que j'ai acheté. Que j'ai acheté parce qu'ils ont reçu chez Célio Martinique. Je suis content. Pour une fois. Non, ils ont souvent des bons trucs, mais c'est vrai que là, ils m'ont expliqué pourquoi et tout. Et ils avaient bien commandé, mais moi, je pensais qu'ils n'avaient pas du tout commandé. Et du coup, j'étais un peu triste. Je voulais les acheter, ils m'ont fait non, si on a... Mais ça commandé, ça arrive. Ça a pris 2 mois à arriver, je crois. Du coup, j'ai tout acheté. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Un mode daltonien, d'accord. Donc, je voulais passer le mode en mode graphisme. Alors, nous vous recommandons de régler les paramètres de votre télé. Le 30 FPS de Forza fonctionne bien, par contre, si t'es là pour chiller. Attends, est-ce que je peux louer une voiture? C'est quoi ça, Acura 2017? Ah, mise en avant. Ça, c'est 4 voitures mises en avant. Non, ça, c'est Acura. Il n'y a que 2 voitures mises en avant. La Dodge Viper GTS. C'est culte, dites-moi. On va arrêter avec Hakone. Par contre, les circuits... Il manque Prague. Il manque Rio. Rio qui est incroyable comme circuit. Il n'y a pas Prague, il n'y a pas Rio. C'est mes 2 circuits préférés. Dommage. Il y a Hakone à la place. Homestead Miami Speedway, c'est un rond, c'est un cercle. Indianapolis. On va aller à Laguna Seca. Qui a l'ami, je sais pas où c'est. Il y a Le Mans. Lime Rock. C'est un vrai circuit, Lime Rock. On va mettre tout en aléatoire. Lime Rock full aléatoire. On est en soirée. L'arrêt de bus de Lime Rock Park, sur la ligne droite principale, est une chicane courte en forme de boîte où tu devras trouver ton rythme. La brume qu'il y a en fait. Ah, c'est chaud.
Alors qu'est-ce que Speed Seconde sur le côté, c'est un excellent jeu de voiture ça. Ah ouais, c'est... Bon, monsieur. Ah, pour le coup, avec la brume, c'est vraiment dur. Bah, les 30 FPS sont vraiment bien gérés dans Forza. Je pense qu'il y a du blur interframe. Que le rendu est pas dégueulasse du tout, hein. Enfin, comme dans Forza Horizon en fait. Avec plaisir à voir. Salut Aurel 4K, ça va? Attends, t'auras fait tous les championnats du jeu? Ça t'a pris combien de temps? Attends, mais tu l'as en early access, c'est pour ça. Parce que moi j'ai, tu sais, avec l'argent qu'on te donne au début, j'ai acheté la nouvelle mini. En fait, la nouvelle mini, tu peux pas la faire, tu peux pas y jouer avec dans le premier championnat. Où je suis couillé. Je suis obligé de faire du mode libre pour gagner de l'argent. J'ai pas trouvé d'autre solution. Putain, mais le brouillard, frérot. Si tu connais pas la piste, tu te plantes. Allez Ghostface, ça va? Le jeu donne quoi graphiquement? Bah, ce que tu vois à l'écran. Je suis en mode graphisme 30 fps. Et le stream est en 720p 60. Il fait mieux sur pas mal de points que Forza Motorsport 7. Notamment tout ce qui est effet météorologique, comme là la brume, elle est... C'est trop bien. La brume, les reflets dans le pare-brise... Il y en a qui vont trouver ça chiant, mais c'est comme IRL, quoi. Il est dans le Game Pass, effectivement. Donc je peux tester. Je le trouve joli, moi. Je le trouve très joli. D'autant plus qu'il y a plein de situations différentes que tu peux faire. Et ça, c'est cool. Un jeu de voiture. Après, ça va plus plaire à ceux qui aiment bien Project Cars que ceux qui aiment bien Gran Turismo. On va dire ça comme ça. Si t'aimes bien Gran Turismo et que tu veux en prendre plein les yeux, c'est pas ce type de plein les yeux que t'as. C'est plus du la reproduction d'atmosphère, la reproduction d'effets de lumière, etc. Mais parfois, la reproduction de la lumière va faire que ça va pas être joli du tout. Bon, je vais continuer en 30. Le 30 ne me gêne pas. À moins d'être vraiment en compétitif, le 30 est bien géré. Je suis assez surpris. Les jeux d'Activision dans le Game Pass l'année prochaine. Il a déjà été acheté Activision Blizzard. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va mettre son veto. C'est Laguna Seca, ça. Mais attends, Laguna Seca, t'as une version sans la chicane en haut? Tu vois, ça fait le tour, je savais pas. Je connaissais que la version avec la... Tu sais, où t'as la petite chicane en bas, tu remontes. Tu sais, t'as la montée. Je dis ça comme si... Je sais pas si vous jouez au jeu de course, mais je connais pas... Je connais la version courte de Laguna Seca. Pas la version... Louer... Qu'est-ce qu'on va louer? J'ai vraiment fait le tour des voitures. Elle est électrique, celle-là? Et pas électrique là à 110. Je vais le tester un peu, mais 132 gigaoctets sur SSD, ça pique les yeux. Bah là, il fait un peu moins, je crois. Et encore, je râlais, hein. 98,8 gigaoctets. Merde, je vais annuler. 570 quand même la mini GP1. Hein. Ah ben, 510 aussi la Alpine. Non, c'est 2017, c'est pas le modèle électrique, c'est les nouvelles sont électriques. Je comprends pas pourquoi je vois pas de voiture électrique. La Vantage est électrique. Ah, c'est quoi? Ah, A, c'est le type. AR.
Je vais tester une voiture électrique dans le jeu. La e-tron d'Audi, elle est électrique. C'est marrant qu'une information aussi capitale, elle y soit pas. La e-tron, elle est électrique. Je sais qu'elle est électrique. Je sais qu'elle est électrique, c'est pas à peine de le cacher. Et let's go. Par contre, j'avoue que c'est vraiment plaisant de pouvoir mettre aléatoire et pouvoir passer comme ça les circuits en aléatoire et avoir des conditions météorologiques. Ah, on entend le bruit. Et tout électrique. Ah, trop bien, j'aime bien le dashboard. C'est vraiment l'avenir, les voitures électriques, hein. L'histoire de passage de vitesse, ça c'est terminé. J'ai l'impression de rouler sur un coussin. Par contre, ça accélère fort, frérot. On dirait que tu conduis une auto-tamponneuse. Putain, elle est tellement lourde la voiture. Tellement lourde. Eh mais le 30 fps il est géré de ouf, hein. Je sais pas comment ils ont fait. J'aimerais bien comprendre. Tu vois là d'habitude je freine et t'as un putain de chicane. What? Attends, c'est le tracé habituel ça. Trop agréable à conduire. Ma prochaine caisse sera la mini électrique. Pour commencer des subs là. Je vous embête. Oh. Je vous emmerde. Oh. Ah, ça va. Ça va. Dernier tour. Petit lag de 10 secondes sur le stream. Comment ça, petit lag de 10 secondes? Regarde, tu m'as fait aller dans l'herbe. Comment ça, petit lag? Actualise le stream, Peter. C'est toi qui as un lag de 10 secondes. Je peux pas laguer de 10 secondes. Je ne peux pas laguer de 10 secondes. Non, pour vrai, je peux pas en fait. Parce que vos commentaires, je les vois sur mon retour vidéo. Donc je vois ma vidéo avec vos commentaires et je vois le lag. Et 10 secondes, c'est énorme. Attends, en gros, je vais être deuxième, quoi. J'aime beaucoup la e-tron. Bah, ce sera une des prochaines voitures que je vais acheter dans le jeu. F5, quelle touche pratique. J'aurais beaucoup aimé avoir des Tesla, la Tesla Model S ou la Tesla Model Plaid dans le jeu. C'est dommage. Après, c'est bien, il y a la e-tron. Il y a la e-tron, donc je vais pas trop parler. Chez Renault, j'aurais bien aimé voir la future Renault 5. J'aurais aimé voir des trucs qu'on voit pas ailleurs, tu vois. Des trucs pour dire, voilà, on est au-dessus de chez... On est au-dessus de Gran Turismo, tu vois. Enfin, on est au-dessus de Gran Turismo, c'est pas ce que je voulais dire, mais... on est plus récent que Gran Turismo, tu vois. L'automobile aussi, c'est en train de changer. Le monde du jeu vidéo change. L'industrie automobile change. Elle change. La e-tron, ça, c'est l'avenir de l'automobile. Qu'on le veuille ou non, en fait. J'aurais aimé un jeu plus tourné vers l'avenir du jeu vidéo. Vers l'avenir de l'automobile, tu vois. Le jeu est dans le Game Pass. Le jeu est disponible sur Series S, Series X, sur PC. J'aurais juste aimé aussi avoir des voitures. On peut mettre en favori une voiture. Ah, attends, il y a filtre. C'est quoi, propriétaire? Fabricant, classe. Décennie, valeur, division, pays.
T'as même pas par moteur, c'est aberrant. Mais ça, Aston Martin Vala Concept Car. Valala. Vala. J'adore cette voiture. Même si dedans, tu te sens vraiment confiné. Quoi. La R8 V10. Pas mal. Il y a toujours les peintures de la communauté. J'ai pas essayé. Comme je fais que louer des voitures, je crois qu'on peut pas en louer une voiture. Attends, je vais regarder. On va prendre elle, par exemple. Ouais, le fait que je loue des voitures, ça marche pas. Attends, je vais prendre ma Mini alors. Non, pourquoi choisir la voiture? Pourquoi je vois pas ma Mini? Enfin, je passe comme si je devais racheter ma Mini, c'est ça? JKL M Mazda Mini. Là, je veux celle-là, mais je sais pas pourquoi ils ont mis des feux noirs, c'est débile. Celle-là, je vais la marquer à qui? Comment ça? Pourquoi je dois racheter la voiture que j'ai déjà? Je comprends pas. Choisir la voiture. Ça a sens. Les gars ont oublié. Les gars ont oublié que je peux choisir une voiture dans mon garage, c'est un truc de ouf. Ou alors je dois aller au garage. Je peux pas aller au garage. C'est un gag. Je suis obligé de quitter. Pour retourner. Et là, je peux choisir la voiture de mon garage. J'ai l'impression que c'est des gros problèmes d'ergonomie quand même hein, chez Turnten. Donc moi, là, celle-là. Attends, on va aller directement sur... Il doit avoir un onglet entier garage sur voiture. Mes voitures. Salut, Skate. Bon, ça va, Skate. Attends, en fait, je peux rien faire avec la voiture, si. Jouer en mode libre. Placer dans le hangar à voiture. C'est quoi le hangar à voiture? Si tu veux exposer tes voitures préférées, attribue-les à un hangar à voiture. Tu peux en changer quand tu veux. Voir voiture. Ça va très bien. Il y a du ray tracing, là? Ouais, il y a du ray tracing. Parce que là, dans la vitre, on voit les deux maillots qui sont derrière. Par contre, la résolution du ray tracing est vraiment basse, ce qui fait que je trouve que ça dessert plus qu'autre chose. Ouais, tu vois, là-bas, il y a les casques et les combis. Et du coup, on les voit là. Les voilà. Mais j'ai l'impression que ça dessert. Oh, pourquoi il y a un chargement quand tu rentres dans la voiture? C'est trop bizarre. Vous avez vu, il y a des artefacts des fois. Dommage parce que le FSR, ça se prononce sans le T, le Sky. On peut pas la démarrer. Je crois que dans Gran Turismo, tu peux démarrer les voitures. Changer de caméra. C'est joli, mais ils ont abusé du blur. Après, le blur fait aussi réaliste, donc je trouve. Je comprends. C'est quoi exploser? Oh, trop bien! On peut voir le moteur.
Ah, ils ont bien modélisé le moteur. Ouais. Pas mal, pas mal. Avec là, j'ai mis... Ah oui, à la base, on était là pour une histoire de peinture. Trouver des créations. Ah, c'est la... ...2020, je crois. Pas mal. Ils sont pas ouf, les créations, là. Je suis un peu déçu, là. La Red Bull, elle est cool. Le jeu n'est pas sorti il y a longtemps. Ça, je crois que c'est la, le dessin de la Countryman. Là. Y a rien qui me botte parmi les créations. Y a R. Hein. Y a pas grand chose. Hein. Par contre, celle que j'aimerais bien, c'est la Honda S2000. Il faudrait que je l'achète. Ouais, il y a les créations de la commune. Mais c'est pas les mêmes créations de la commune. Hein. Après, c'est pas la même mini. Et tu vois, toutes les créations sont du 8 octobre, 7 octobre, 4 octobre, 10 octobre, 9 octobre. Donc c'est pas les, c'est pas les anciennes créations, c'est des nouvelles créations. Après, cette voiture n'était pas dans l'ancien Forza. Donc. On peut peindre la voiture à nouveau. Je peigne tout. La flemme. Et je te remercie quand j'ai acheté la Series S. Et pour moi, c'est pour moi la meilleure console next-gen. Donc merci beaucoup. Bah, avec plaisir, hein, tu sais. C'est pas moi, hein, c'est... C'est toi. Si t'as pu faire ton choix en toute quiétude et que tu as pu prendre ta console et que ta console te convient, c'est... Et ce qu'il y a de mieux. Après, tu sais, en vrai, les consoles de jeu, c'est pour jouer. Regarde, j'ai ma Series X derrière. Ben, là, je joue. Hé, hey, BestBot, reste calme. Ben, là, je joue sur la Series S. Je vais pas faire un AVC parce que j'ai pas le ray tracing. En plus de ça, sans être méchant, là le ray tracing, par exemple, c'est vrai que là, quand tu fais voir la voiture. Bon, déjà, ils ont mis le ray tracing. Ils auraient pu ne pas le mettre. Le ray tracing, on le remarque parce que, tu vois, ça déforme les reflets et tout. Mais la résolution du ray tracing est en basse résolution. Du coup, je trouve que c'est pas toujours très joli, tu vois. Comme là, dans cet angle-là. Je trouve pas que ça rende hommage à la Mini, par exemple. Après, de loin, comme ça, tu vois, là, c'est joli. Mais en même temps, la voiture... Elle est tellement brillante. Je suis pas convaincu qu'une vraie Mini soit aussi brillante, tu vois. Bon courage pour quand même... tu as fait s'acheter la fesse ou la noire. C'est bizarre ce que tu dis, BuzzBot. Moi, j'aurais acheté la blanche en promo, genre à 270€, tu vois. Parce qu'en vrai... La Xbox Series S noire, c'est une façon d'augmenter le prix de la Xbox Series S. Après, c'est vrai que tu regardes le nombre de jeux que j'ai d'installer dessus. Là, par exemple, je n'ai que... Bon, après, j'ai un disque dur installé sur ma console. Mais du coup, on va simuler que j'ai pas mon disque dur. J'ai deux disques durs, pardon. J'ai que 7 jeux installés. Mais en soi... Jouer à Forza Motorsport, Diablo 4, Dead Island 2, Mirage, Lego 2K, Cocoon, Payday 3, Sea of Stars, Solar Ash, Gris, Moving Out 2, Sword Art Online et Ori en même temps. Voilà quoi. Après si jamais... là, il y a un jeu que j'ai désinstallé, je ne sais même plus lequel. Il y a un jeu que j'ai désinstallé pour mettre Forza. Ah bah c'est Starfield. J'ai désinstallé pour mettre Forza. Je vais le remettre après. Parce que je vais reprendre Starfield plus tard. Et après, j'ai deux consoles aussi. Donc, ça aide aussi.
Mais il y a beaucoup de jeux aussi que... Et ça, qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de jeux. Tu vois, il y a le logo Game Pass. Donc, c'est des jeux que j'ai temporairement. Payday 3, ben, je l'ai dans le Game Pass. Sea of Stars, je l'ai dans le Game Pass. Solar H, je l'ai dans le Game Pass. Gris, je l'ai dans le Game Pass. Cocoon, je l'ai dans le Game Pass. Et Ori, je l'ai dans le Game Pass. Dead Island 2, je l'ai acheté. Assassin's Creed, je l'ai acheté. Diablo 4, je l'ai acheté. De toute façon, il ne va pas arriver avant 2024 dans le Game Pass. Sword Art Online, je l'ai en test. Ego Chuka Drive, je l'ai acheté. Et Moving Out 2, je l'ai eu en test. Voilà. Donc, du coup, le panel global fait que ben, j'ai 512 gigaoctets. Ah, il me reste 60 gigas, j'ai même pas vu. Il me reste 60 gigas. Et si jamais j'ai besoin d'installer un jeu, par exemple là, ben, celui que je vais installer, ah, tu peux me mettre, je crois, par date d'utilisation. Voilà, par dernière utilisation. Comme ça, là, tu vois directement que ben, j'ai installé Gris et je ne l'ai jamais lancé. Diablo 4, je l'ai lancé la dernière fois, il y a longtemps. Il y a une nouvelle saison ? Non, elle n'est pas encore sortie la nouvelle saison. Elle n'est pas sortie la nouvelle saison. Enfin bref, tout ça pour dire que... voilà. Et après, ce que je fais, c'est que... si j'ai désinstallé Diablo 4 et que j'ai besoin de le réinstaller, je vais dans bibliothèque... Keitaro, je suis pas fou. Regarde, ils ont remis les onglets. Il y avait... Tu te rappelles, la dernière fois, je regardais, j'ai râlé. J'ai même été demandé à Ubisoft... au truc... j'ai demandé sur le forum Insider... S'ils ont retiré les onglets, ils m'ont dit qu'ils testent, mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais je leur ai dit, je vois pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt. Et à un moment, je me suis dit, c'est moi qui suis mongolien. Et j'ai eu une mise à jour, et là, effectivement, ils ont remis. Mais je pense qu'en fait, ils voulaient mettre à jour pour ajouter l'onglet. Tu vois, il y a un onglet Ubisoft Plus et un onglet GTA Plus. C'est très bizarre, d'ailleurs, comme onglet GTA Plus. Pourquoi GTA Plus ? C'est genre, t'as tous les GTA ? Ça coûte que 6 euros par mois, les gars. Vous avez 500 000 GTA dollars. Pour GTA RP. Il y a GTA RP ? Alors, je viens de voir le Game Pass, il y a Gotham Knight. Oui, il y a Gotham Knight qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il est... pas envie de dire moyen, il est au-dessus de moyen, mais il est moins bien qu'un Gotham Knight, par exemple, pour plein de raisons, le comportement de la moto, etc. Mais à 80 euros, il était défectible. Maintenant, dans le Game Pass comme ça, si t'aimes bien tout ce qui est lié à DC, ben, tu vas kiffer, il n'y a pas de raison. Les combats et tout, ils sont vraiment sympas. Donc, voilà. Par contre, j'ai acheté une carte d'extension, car AC Mirage et AC Valhalla, Forza Horizon 5, et Fortnite, du coup, j'ai pas de place si je l'avais pas. Attends. Forza Horizon 5. Mirage. Valhalla. Et Fortnite. Moi, je t'avoue que au lieu d'acheter une carte d'extension, je préfère directement acheter une Series X. Parce que la Series S plus la carte d'extension, ça fait un prix qui se rapproche trop de la Series X à l'époque où elle était à 500 euros. La carte d'extension, tu en as pour 100, 130 euros. Et avant, la Series S, elle était à 300 euros. Donc 300 plus 130, tu étais à 430. Tu rajoutais 70 euros, tu as la Series X qui inclut déjà les 1 teraoctets. Tu vois. Après, sinon, moi, ce que je fais, regarde. Là, j'ai un... SSD qui m'a même pas coûté d'argent parce que j'ai récupéré un vieux SSD de 256 gigaoctets qui est là. Il y a 62 gigaoctets dessus, t'as vu? Et dessus, j'ai Assassin's Creed, Origins et Odyssey qui fonctionnent d'ailleurs directement dessus. Et j'ai transféré The Quarry dessus. Et du coup... Attends, là, qu'est-ce qui se passe? Si je mets mon... ordi là et que je prends ça fait combien, 16 gigas. Bah, si je fais ça, gérer, hop, que je fais déplacer, je déplace vers le SSD, déplacement sélectionné, et que je suspends le Forza,
Voilà, la vitesse à laquelle ça copie, en fait. Ça copie à 1,68 gigabytes par seconde. Et là, je suis sur l'interface, mais je peux me barrer et regarder un autre jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour économiser entre 2 et 5 minutes, on va dire ça comme ça, j'ai pas forcément intérêt d'acheter une carte d'extension externe. Voilà. J'en achèterai une un jour pour tester, mais bon, le test, voilà. Ouais, mais là, c'est un SSD à la con, hein. C'est un SSD que j'ai récupéré, j'ai mis dans un boîtier, je l'ai mis d'un de mes vieux ordinateurs. D'ailleurs, j'en ai récupéré un deuxième, là, de 256 Go. Ça me fait une espèce de mémoire tampon où je peux mettre les jeux dessus, mais ça copie très très vite, en fait. Ça copie très très vite. Là, on a 1,37 Go par seconde. Ça va plus vite que... Non, c'est pas la connexion. Là, je copie sur le disque. En connexion Internet, je dois être à 200 mégabits par seconde. La connexion elle-même est plus rapide, hein, parce que je suis en Wi-Fi et puis... Je suis en Wi-Fi. Je suis en Martinique, je pense que ça joue aussi. Après, 200 mégabits par seconde, je t'avoue que je me plains pas, hein. Ça va toujours plus vite que la vitesse à laquelle s'installe un Blu-ray disque. Il y en a qui me parlent d'effacer les jeux avec le Blu-ray et remettre. Ça prend plus de temps. J'ai fait sur ma série X, ça prend plus de temps. En plus, il faut télécharger les mises à jour, alors que là, il n'y a pas besoin. Voilà. Et en fait, je voulais faire revenir du coup le jeu sur le disque interne. On est sur le disque interne. 700 mégas par seconde parce que tu as un disque dur. Tu as un disque dur. T'as pas un SSD. Si tu as un SSD, c'est RAID. Et là, tu vois, ça va encore plus vite de ce sens-là. Ça va à 2,83 Go par seconde parce que mon SSD il est pas ouf en écriture. 2,85 Go par seconde, ça va à une vitesse folle. 33 secondes pour télécharger le jeu. Bon allez, 40 secondes pour télécharger le jeu. Ah! Mégaoctet ou mégabyte? Après, je sais pas, les serveurs Xbox, ça dépend de là où ils sont, etc. Ça dépend de ton opérateur, comme il t'a bridé ou pas bridé d'ailleurs. J'ai jamais fait Path of Exile, il y a plein de gens qui m'ont dit d'y jouer. Bon, allez, on retourne sur le Forza. Mégaoctets. Mais c'est ta connexion ou c'est sur le Xbox Live que tu as 700 mégaoctets par seconde? Oui, ça, parce que les mégabits, si tu veux, 1 mégaoctet est égal à 8 mégabits. Des grosses, grosses, grosses bits. Bah. Non, c'est égal à 8 mégabits. Là, il y a 3, il y avait bah, 3,5 gigabits par seconde. Vous disiez par 8 pour avoir 1 mégaoctet, en fait. On est en dessous du gigaoctet par seconde, en vrai. Bon, qu'est-ce qu'on faisait à la base? Les livrets, c'est bon. Jouer en mode libre. Quel circuit? Course chronométrée, course sur circuit, course d'essai. Nimrock, c'était pas ouf. Maple Park. On va faire Nürburgring. C'est où Watkins Glen? Au Suzuka. C'est un circuit que vous connaissez bien en Formule 1. Allez hop. Mako, je suis en Internet sur la Xbox après. Ah, c'est cool. Moi, j'ai la flemme. La flemme de câbler. Il n'y a que mon ordi qui est en Internet parce que je joue en compétitif dessus. Ma Xbox, pas en compète. Les courbes en S J'aime beaucoup Suzuka. Suzuka sont Mais un je l'aime que excellent en F1. endroit pour... Je le trouve emmerdant en R1. Moi, je suis tout seul. What? Ouais, c'est... Ouais, il fait noir. Pas compris, là. Ça se trouve, j'ai trouvé un glitch pour gagner de l'argent. Attends, c'est vrai, en plus. Sympathique, putain. Ouais, c'est ma Xbox principale.
Bah, ma Xbox principale aussi. C'est vrai quand même. J'aime plus c'est quand même ma Xbox principale. Des fois, elle change, il faut éviter de faire ça. Mais attends, comment j'ai fait pour configurer zéro tour quand c'est possible? Ça a bugué en fait. Les courbes en S du circuit de Suzuka. Aucun sens. Mais c'est le nombre de tours qui est en automatique. En automatique, le truc s'est dit, tiens, je vais mettre 0 tour. Il y a 23 véhicules sur la piste. Hein. J'ai pas de PC par contre. Pas forcément utile. Ça dépend ce que tu fais. Moi, dans mon cas, j'ai besoin d'un PC. J'ai besoin d'un PC parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de coder, j'ai besoin de faire des streams et tout, mais... Bon, je me mets en vue extérieure parce que je sens qu'il y en a qui veulent voir cette vue extérieure. Histoire de voir un peu la voiture. Tu vois, les effets atmosphériques sont ouf. Les effets de brouillard et tout. C'est joli. Pourquoi vous êtes aussi nombreux le stream? Alors que je m'étais dit que ça allait être chill parce que c'est du Forza. Que personne ne stream du Forza. Et j'essaie de lire le stream, je le conne partout, tu sais. Eh, la Mini, c'est la meilleure voiture avec vos Civic là. Bon! Le jeu a l'air beau quand même. Pas trop pourquoi tout le monde se plaint. J'ai donc c'est devenu un sport national de se plaindre sans jouer au jeu. Enfin. Ça, c'est devenu un sport national de se plaindre des consoles, de tout, sans jouer au jeu. Sans juste les essayer, leur donner leur chance. Vous le dites, t'as des trucs comme le Game Pass qui t'évite de dépenser 80 boules pour jouer à un jeu, pour essayer un jeu. Bon, ok, ça prend un peu de temps à installer et télécharger. Et je trouve ça génial. Moi, ouais, j'aime bien. Ça me change de Gran Turismo. J'ai Gran Turismo 7, hein. J'ai le casque VR et tout. Excellent, Gran Turismo 7. C'est pas parce que Gran Turismo 7 est excellent que ce Forza est de la merde. Hein. Il a des défauts. Que j'entrevois. Mais moi, j'y joue que depuis hier soir, en fait. J'y joue que depuis hier soir. Il y a des défauts. Par exemple, il y a assez peu de circuits. On parle bien de The Crew Motorfest, là. Non, je parle de Forza. C'est qui? C'est vous deux que vous parlez de The Crew? J'essaie de lire et en même temps j'essaie de conduire, je vous avoue que je vais éviter de sortir le téléphone portable au volant. Hein. On voit le résultat, c'est pas ouf. Hein. D'ailleurs pour info là je suis en mode 30 fps depuis tout à l'heure. Et je pense que sur ma Xbox principale, je vais passer en mode. Je vais jouer en mode 30 fps. J'aime bien. Bien gérer le 30 fps. Là-dessus GG. The Crew Motorfest, je l'avais. Je l'ai plus là. Ouais, je réinstalle. Je l'avais. Je pense qu'il est cool, mais je pense qu'il est sorti au mauvais moment. Il y a un nouvel essai de 5 heures qui va sortir. Mais là, tu l'as en version dessin, hein, Keitaro. Tu vas sur le store. Tu vas sur... Normalement, il est dans les offres, puisque j'ai entendu qu'il y a une promo. Famille. Hein. Offre famille, idée à Xbox. Attendez, God Simulator 3 est en promo. Ah, 19, je veux toujours pas. Hein. Moi, je veux God Simulator 3, mais je veux pas... Je veux foutre 10 boules dedans.
Juste pour moi, 45 euros. Ah ouais, quand même. Borderlands Collection, la boîte de Pandore pour 30 euros au lieu de 150 boules, les amis. 30 euros au lieu de 150 euros, vous n'êtes pas jaloux? Le prix, c'est ce que je t'ai dit, c'est 19,99 ou je sais pas pour quel jeu. Pour Borderlands 3, c'est. Borderlands, c'est 30 euros. J'ai moins 80% rien que pour moi. Dans de quel jeu tu parles que le prix était caché? 19,49 en fait. 19,49. C'est ça que j'ai dit que je voulais bien pour 15 ou 10 ou 15 euros. C'est quoi ces jeux? Beach Buggy Racing. Stray, 20 euros, il est où? Putain, Agent. Ah, 1,49. Je l'ai sur ma Nintendo Switch. Je l'ai payé ce prix-là à peu près. Je vous le recommande. Et Drift, Absolute Drift Zen Edition aussi. Il est trop zen ce jeu. Ce jeu est trop chill. Il est à 6 euros. Il est à 6 euros. T'as vu où Stray? 22,49, ouais, Stray. Je sais pas, je soupçonne qu'il va arriver dans le Game Pass un moment ou l'autre. Avec les autres anapores pour now. Je pense une sorte d'exclusivité avec PlayStation pour le moment. Je pense que c'est le genre de petit éditeur qui aime bien que son jeu soit dans le Game Pass. Dice Dungeon, il est dans le Game Pass. Il est marrant si vous voulez le tester. Il est marrant. Putain, Emoji Kart Racer. Franchement, j'ai tellement râlé sur ce jeu. Il y a le test sur Otaku Game. Le jeu, il est vraiment pas bon. Il sera à 2 euros, j'aurais dit de le prendre. 22,49, il est beau, Stray. Stray, il est excellent. Après, moi, je l'ai eu dans le PlayStation Plus. Ce jeu-là, j'ai sur smartphone. I Dance Through Time. Il est dans le Google Play Pass. Je crois que ça s'appelle comme ça, Google Play Pass. Vous voulez pas ça? Horse Club Adventure 2? Ah, mais il y en a plein des gens pro. Les jeux ont l'air tous assez claqués, hein, je vais pas mentir. Nexomon, avec du recul, je sais pas si je peux vous le recommander ou pas. Parce qu'en fait, Nexomon, qui coûte 8 euros du coup, et le Extinction, ouais, pour moi c'est le meilleur, prenez directement l'Extinction. Je pense même pas que c'est la peine de prendre le premier. Nexomon, il y a des films en promo. Nexomon est vraiment un jeu qui est cool, je l'ai sur Nintendo Switch. Objectivement, il est meilleur que Pokémon. Vraiment, hein. Pour plein de raisons. Au niveau de l'interface, les animations. Même l'histoire, elle est mieux. Les artworks aussi. Mais, c'est pas Pokémon. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, j'ai l'impression de jouer à une copie chinoise de Pokémon. Je sais pas quoi en penser. Vous avez Suicune. Suicune du chinois. Du coup, je dirais, si vous êtes sur Xbox, à la limite, vous n'avez pas de Pokémon du tout, let's go. Et si vous avez une Nintendo Switch, vous êtes enfermé dans votre petit truc Nexomon, là, c'est pas ouf. Lime Parchment, il est bien, c'est une sorte de Diablo-like, en multijoueur. En plus, vous avez un essai gratuit, j'ai même pas vu. Pour 5 euros, il est cool. Je l'ai sur Switch aussi, mais je l'ai eu il y a longtemps sur Switch. Et en fait, quand tu as deux héros, par exemple, tu as le jaune et le bleu qui vont faire deux magies jaune et bleu, ça va faire que les deux lasers vont se toucher et ça va faire un laser vert. Je ne sais pas s'il y a une vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Il y a une vidéo, ce sera plus simple pour vous montrer. Peggy 12. Franchement, si vous cherchez un jeu sympa à jouer en mode multijoueur, en local, dans la lignée des trines, There was an incident at school, which is why I'm going on an adventure. Nikun. The Astral Academy's magical spells have gone missing, and I'm going to recover them. Not to worry. Par contre, si vous jouez seul, il est chiant.
Parce que quand tu joues seul, en fait, des fois, tu vois, tu dois mélanger des sorts pour que ça fasse d'autres couleurs de sorts. Quand tu joues tout seul, c'est ingérable. Oui, si tu joues en multijoueur avec quelqu'un, je crois pas qu'il y ait de multi. Je crois que c'est que du multi local. J'ai jamais réussi à jouer avec quelqu'un. Ouais, l'autre problème c'est que faut que même votre compagne elle aime bien ce type de jeu dessus, c'est pas tout le monde qui aime. Quand ta copine elle veut jouer qu'à League of Legends, ça marche pas. T'as beau lui dire, mais c'est ça ressemble. Ça ne fonctionne pas. Et voilà, Nine Parchmen. Merci pour le avoir. J'ai que du vin, je fais quoi? Merci d'être passé, Sky. C'est cool, et bon jeu à toi, du coup. The Crew, je crois, il ralentit un peu sur CSS. Et moi, j'ai la démo, donc... Super Toy Scar. Il est bien... Ah, Turbo Golf, il est dans le Game Pass. Je vous conseille Turbo Golf, il est vraiment bien. C'est un mélange de Rocket League et de jeux de golf. Il est vraiment cool. Très bon live et à bientôt. Bah, à bientôt, oui. Oui, j'espère aussi. Ouais, tu sais où me trouver, hein, je suis là. Zenonka, il est pourri comme jeu. Même à 3 euros, c'est pas la peine de le prendre. Ukulele, il est cool. Attends, c'est vraiment des films? Ah merde. 30 ans sinon rien. C'est pour ça qu'il disait ça à Keitaro. Ouais, j'ai testé sur PC, je savais pas qu'il était dans le Game Pass. Bah attends, comment ça se fait que j'ai testé sur PC? Je crois que l'éditeur m'avait donné une clé bêta à l'époque. Je crois que quand j'ai essayé le jeu, il était pas encore sorti. Mais je crois qu'il était déjà annoncé dans le Game Pass par contre. Ouais, lui redonner sa chance. Hein. Après, à 4,49, si vous voulez pas prendre le Game Pass, 4,49, franchement, ça fait le taf. Wingspan, ça fait longtemps que je veux jouer à ce jeu. Hein. Ah non, à chaque fois, je veux jouer à ce jeu, et en fait, c'est un jeu de cartes. Parce que jamais, je crois que c'est un jeu où tu conduis un colibri, mais c'est pas du tout ça. You suck at parking. Mes autres vies de chien, l'incroyable aventure de Bella, il troll ou pas? Babe. Pourquoi les films Xbox sont claqués? Je comprends pas. C'était bien Babe à l'époque, je pense que vous avez connu là. C'est quoi ça maman? Ça c'est un cochon. Quand il sera grand, ils nous mangeront aussi quand. Putain, j'ai envie de le revoir. Sinon, les humains ne mangent que les animaux qui sont bêtes, les moutons, les canards, les poulets. C'est culte, hein, Babe. T'as raison, il a l'air très bête, maman. Pas autant qu'un mouton, c'est vrai, mais les cochons, c'est bête comme tout. Excusez-moi. Ce pauvre. Juste au ciel, mais qui es-tu, toi? Je suis un grand porc blanc. C'est le nom de ta race, oui, mais tu as bien un prénom. J'en sais rien, moi. Ta maman, comment elle t'appelait? Tu te souviens, pour te différencier de tes frères et sœurs? Notre maman, elle nous appelait tous pareil. Et comment est-ce qu'elle vous appelait, mon petit? Elle nous appelait Babe. Je pense qu'il serait plus sage de ne pas trop parler de famille ici. Je veux ma maman. Oh. Mais c'est anti-quand, ce film? Allons, ne pleure pas. Il faut que tu sois très courageux. Celui-là, je l'ai vu au cinéma. J'ai quitté ma mère quand j'avais ton âge, et mes petits me quitteront bientôt, moi aussi. Si tu veux, je peux m'occuper de toi jusqu'à ce que tu deviennes un grand garçon. Rex, le petit cochon est un peu triste. Il va dormir avec nous jusqu'à ce qu'il soit. T'imagines le travail pour dresser des animaux? Imagine les gens qui regardent Forza, ils disent c'est ça Forza, ouais. D'accord, mais on ne le garde pas plus longtemps. Maman, s'il fait pipi dans la paille. C'est ridicule. Si tu as un petit besoin, mon chéri, tu vas faire dehors, d'accord? J'ai jamais vu ce film.
Ça fait 20 ans qu'il a dû sortir. Non, ouais, plus que 20 ans. 20 ans, on est en 2000. Ouais, super. On lui saute dessus, on fait la bagarre. Dis, comment tu t'appelles? Ils sont bizarres, les extraits sur le Xbox Store. 95, frérot. Ça fait presque 30 ans qu'il est sorti, le film. Ma sœur! Ma petite sœur, elle est plus jeune que ce film. Et elle travaille, hein. Elle travaille et tout. Donc, tu vois, c'est dire comme c'est vieux comme film. J'ai vraiment envie d'acheter des vieux films comme ça et les regarder en live, tu vois. Et chiller de les regarder. Beethoven, putain. Tu as jamais vu Babe? Je sais pas quoi dire. À l'époque, c'était à voir, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, je sais pas si tu peux le voir. C'est comme Beethoven. Beethoven est sorti quand? 92. Daphné et Vera, c'est quoi ça? 2018? Genre, il y a eu un film, Daphné et Vera. See you soon. Hello, Daphne Blake. Wow, this is incredible. Hey, Belna. Spencer? I saw you at the lockers. Are you okay? I'm good. Principal Piper of Spencer seems zombified. Oh, ça a l'air claqué, j'ai envie de le voir. He's fine. Something weird is happening to the top students here. Kids turn to lifeless zombies. Secret passages. We have to investigate. Hey, j'ai un problème avec les films chelous, moi. Maybe it's not a person behind this. Something's been following us. I can feel it. Ghosts don't exist. Griffin is up to something. Ah, mais avouez. Pourquoi pas ce film me donne envie de le voir au moins une fois? Bon, je suis pas le seul. Pourquoi pas ce film me fait envie de voir aux fesses une fois? Buzzbot, je t'ai connu plus inspiré. Just an idea. This robot engine is totally stable. Unless it's overheated. Par contre, c'est en français? Kitchen duty and Shane stickers. Guaranteed to stop girls from blowing things up. So what, we just give up? No, we're a team. We can do this. We can do anything. Things always work out. Yes, a clue. Ouais. Ouais, non, j'aime bien comme ça. C'est marrant. J'essaie de voir s'il était en français. Ah, audio. Ah, t'es obligé de choisir. Soit tu prends l'audio en français, soit en anglais. Faut faire attention. Sinon, quand tu télécharges, après, tu l'as que dans la langue que t'as. C'est dommage, ça. SOS Fantôme, putain, il y a Sauvé Willy 1, 2 et 3. Docteur Doolittle. Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est Harry Potter 2. D'accord, ils ont quand même mis le chiffre 2, 3. Là, tu sais. Par contre, il n'y a pas le premier Harry Potter. Okay. Scooby, Sacrée Sorcière. Le nouveau Space Jam. Stuart Little. Les Goonies que j'ai jamais vu. J'avais tellement entendu parler. Ça date de quand, ça? 85, putain, j'avais un an quand c'est sorti. Je sais pas pourquoi tout le monde me parle des Goonies. Ouais, ça va, mais leur stratégie est bizarre. Tu sais, cette stratégie de vieux film à pas cher. Je trouve ça bizarre. Enfin, ça me fait marrer, mais tu vois, même, moi-même, qui suis habitué au démat et tout ça, ok, Google allume les lumières Xbox et PlayStation, eh ben, j'ai pas acheté. J'ai acheté aucun film. Ben, je connais, j'entends souvent parler des Goonies, mais je. J'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Déjeuner! C'est marrant, les vieux films, quand tu les upscales, c'est joli. Enfin, c'est pas moche. Aïe.
de droit. Pauvre abruti. Tu crois vraiment que je suis assez con pour me tuer? Ouais. Oh, c'est nul. Eh hey, mais pour de vrai, est-ce que on se fait strike sur des vieux films? Putain, il faut vraiment que quelqu'un cherche cette info. Je pense pas, je vois pas les ayants droit de ce film s'amuser à les traquer sur Twitch qui est en train de regarder ce film. Ça aurait aucun sens. Oh, ça serait des sacrés rats. En plus, ça m'inciterait à dépenser 5 euros. Dépêche. Voilà. Au pire, tu supprimes la rediff du film, tout simplement, moi aussi. Francis, le verrou! Le verrou, lâche Francis! La poignée, lâche la poignée! La poignée, ouvre-moi cette portière! Merde, le toit ouvrant! Allez, c'est ouvert, c'est ouvert! Cul, merde. Allez! Ça a aucun sens, putain! Ils arrivent! On va les laisser filer! Ça a aucun fucking sens! Non mais les bêtes, ils mettent de l'huile sur les pneus de leur caisse ou quoi? J'entends des bruits de tir, je sais pas pourquoi. Les mecs doivent tirer en l'air, je pense, un truc comme ça. Ils sont vraiment pas bons en visée. Ah ouais. Ah ça y est, ils visent. J'ai pas compris l'extrait, j'ai pas compris la coupure. 1985. C'est trop bien. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a une démo de The Crew Motorsport qui est... Motorfest, pardon, qui est disponible quelque part. Je sais pas où. Avant, il y avait une section... Il y avait une section démo, mais il n'y a plus. Est-ce qu'il n'est pas en gratuit? En gratuit, c'est les jeux vraiment gratuits. Ah, c'est là. Attendez, il y a une démo de Dungeons 4 qui est dispo. Dungeons 4 qui sort dans le Game Pass à la fin, à la fin du mois. Nowhere Manoir. Nowhere Manor. Bah, tu sais, Sword Art Online, Last Recollection, vous avez une démo. Vous avez une démo et vous pouvez transférer la sauvegarde dans le jeu complet. Donc, Keitaro, si vous y jouez, voilà. T'as la démo. Une démo de Taos Prantical 2. Crosstade. Il est sorti. Il doit sortir, je crois. Je sais même plus. T'as la démo de Ghost Runner 2 qui est excellente. Je crois que The Crew, la démo, elle est pas là. Je sais pas pourquoi. Ouais, la démo, elle est pas dans la section démo. C'est un peu bizarre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez taper The Crew. En fait, vous prenez la version... Je crois que c'est la version à 80 euros. Je pense. Ouais, c'est celle-là. 80 euros, The Crew. Hein. Et... Attends, ils ont retiré la démo. C'est un délire. Étonnant. Merci des 5 heures d'essai.
Les 60 FPS ne sont pas au rendez-vous, ok? Tout ce que vous avez. J'ai eu j'ai le gameplay que j'ai fait. J'ai eu le jeu en démo. Et je comprends pas du coup. T'as vu? Regarde, elle est là la démo. Tu vois? Donc pour avoir la démo, attends. Pour avoir la démo, il faut taper The Crew. Faut choisir la troisième version, celle avec le U+. Faut prendre la version à 69,99€ sur Xbox One. Perdu. Non, perdu, c'est la U1. C'est celle-là, alors. Voilà. Il faut choisir la troisième version. Ouais, c'est un délire. Faut choisir la troisième version de The Crew. Je vais peut-être faire une vidéo dessus, tiens. Tiens. Parce que, bon, je savais pas que c'était aussi compliqué. Du coup, je vais en profiter pour faire une vidéo. Attends. Reviens. Ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver. J'étais sur Forza Motorsport quand on m'a rappelé qu'il y a The Crew Motorfest qui existe et je disais qu'il y avait une démo. Il y en a pas mal qui me disaient non, j'ai jamais vu la démo. Et effectivement, lorsqu'on va sur la section jeu de Microsoft et qu'on va dans les démos qui sont là, les versions de démos, il n'est pas parmi les dernières démos en fait. Il est même pas du tout parmi les démos. Enfin, chez toutes les démos, il n'y est pas. Du coup, pour retrouver la démo de The Crew, vous êtes obligé de faire, je suis désolé, c'est un peu compliqué, recherchez, vous tapez The Espace Crew, là vous allez la voir, et vous êtes obligé de prendre la troisième édition, celle qui a ni logo X, ni logo S, et le logo Ubisoft Plus. Et là, faut pas prendre la version XS qui est là. Faut pas prendre la version normale comme ça. Faut prendre spécifiquement la version qui est dans le Ubisoft Plus, qui est la version la plus à droite. Et ici, là, si j'enlève ma grosse tête, vous voyez, là, vous pouvez télécharger un essai gratuit. Et télécharger maintenant. Voilà. Et après ça, vous pourrez l'installer. D'ailleurs, je remarque que ça m'a refait l'installation, ce qui me prouve que avant, c'était pas comme ça qu'on obtenait la démo. Parce que là, ça me l'a réacheté, je mets des gros guillemets, alors qu'à la base, j'avais déjà fait la démo. Mais la démo n'était pas comme ça. À noter que si vous voulez jouer au jeu aussi, pour 18€, vous pouvez avoir pour 17,99€, vous pouvez avoir ce jeu là plus vous pouvez avoir Assassin's Creed qui va être juste plus haut, plus Assassin's Creed Mirage pendant un mois, voilà, qui est dans le Ubisoft Plus. En plus, dans Ubisoft Plus, c'est la version Deluxe qui est inclus. Du coup, faut obtenir le Ubisoft Plus pour ça. Il n'y a pas de démo de Ubisoft Plus pour le moment, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à ciao otaku. Ça vous fait 5 heures d'essai. Enfin, je sais pas si c'est déjà passé à 5 heures. À l'époque, c'était 2 heures d'essai. Normalement, ça s'est passé à 5 heures d'essai. Il me semble que c'est déjà passé à 5 heures d'essai. Donc, vous avez 5 heures d'essai. Et il me semble qu'il y a une réduction que vous pouvez avoir si vous achetez le jeu à travers l'essai. Sinon, il est à 80€ quand même. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye. Râler. Pourquoi? Vous m'avez pas vu assez, vous m'avez vu trop jouer à Forza. Attends, Suzuka, on passe pas sous le tunnel. On fait un tour sur Suzuka. Et après, on peut râler sur Overwatch. J'ai déjà joué à Suzuka. Non, j'ai pas fait ce cas.
les courbes en S du circuit de Suzuka sont un excellent endroit pour gagner du temps. Ah si, j'ai joué. J'ai une mémoire qui est inquiétante. J'ai vraiment une mémoire de merde. La guerre des clones. Un décrochage dans le son. Qu'est-ce qui s'est passé? La queue leu, ça me convient pas. J'adore ces cerfs. Et vous savez où est-ce que j'ai joué à ce circuit et j'avais super kiffé, je viens de m'en souvenir. C'est un jeu qui s'appelait F355 Challenge et c'était sur Dreamcast. Et justement, t'avais Suzuka court comme ça où tu coupais comme ça. Il était incroyable ce jeu. F355 Challenge, putain. Il était tellement en avance sur son temps. Vraiment réaliste au niveau du comportement routier et tout. Ah oui, mais t'es très très dur. Mais tu pouvais conduire que des F355. Du coup, c'était par Sega. Et du coup, même dans les courses, toutes les voitures ont la même puissance. Ça joue que sur ton pilotage. Alors que là, les mecs, ils trichent devant avec leur... C'est pas une petite bombinette, ma mini, normalement? Une petite bombinette, ça. Par contre, le capot de la mini, il est pas bien fait. Il est plat. Normalement, c'est bombé avec les... Bizarre. Ah si, ok. Ouh, merde. Regardez pas, j'essaie de voir comme ça. Ici, c'est bien bombé, mais c'est parce qu'on est... On est genre au centre. Ah oui, on est au centre avec la caméra. D'accord. En fait, la vue volant, c'est celle-là, quoi. Là, tu poses ton volant devant. Dès que j'aurai la place, je vais me faire un cockpit pour... Je vais faire un cockpit pour... mais en fait, il me suffit plus qu'une siège maintenant. Je vais acheter un siège. J'ai pas besoin d'écran, en fait. Je vais faire avec la PlayStation, avec Gran Turismo 7. Ça fait quand même chier d'acheter tout ça pour GT7. La borne d'arcade était triple skin. Skin, je sais plus à quoi elle ressemble. Le skin. Bon, les gars. Regarde ça, je gagne de l'argent petit à petit. Si quelqu'un a une technique pour gagner plus de thunes dans le jeu. Ceux qui me disent faire un championnat, moi je veux bien, mais... c'est peut-être vraiment que je fais une connerie. Hein. Ça se trouve. Quand tu vas en carrière. Ça se trouve, tu peux louer une voiture, en fait. Et je dis que de la merde depuis le début. C'est possible, hein. Tu vois, c'est ça que je voudrais comme championnat. J'aurais dû faire comme... Aurel 4K. J'ai bugué le jeu. Bon bah c'est l'ordre d'Overwatch hein. J'ai bugué, regardez. Le jeu qui est bugué. J'ai bugué. Je me saoule. Vous avez vu ma nouvelle manette pour PC? Une Razer... Raiju. C'est ma ancienne manette pro de la PS4. Qui est pas mal, hein. Franchement, les deux trucs là en dessous là est vraiment pas mal comme manette. Et là, vous avez vu, ça ressemble déjà au trigger de la Xbox. En fait,
T'as déjà des triggers comme sur la Xbox. Là, t'as deux boutons en plus. Et là, derrière, t'as deux boutons cliqui aussi. Donc, c'est une manière d'avoir plus de boutons. Mais autrement, je la trouve très, très confortable à jouer. Juste, j'aurais préféré que ce joystick-là, il soit là. Mais à part ça, très bonne manette. Seul problème, la PS5, c'est vrai que les manettes PS4, la PS5, c'est pas la folie. Tout le contraire même, je dirais. Ah, ma Elite Briquet, elle est là. Bon, après, elle est de 2016, tu vois. Tu vois, elle a pris cher, hein, avec la chaleur ici et tout. Je la garde en souvenir, maintenant. C'est une déco. Et une manette de 2016, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que ça s'est briqué parce que, en gros, la puce Bluetooth a dû mourir. Donc, la manette ne fonctionne plus en sans fil. Donc, la manette ne fonctionne plus en sans fil. Et du coup, je l'ai branché à ma Xbox Series S. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que j'allais mettre cette manette-là sur ma Series X et celle-là sur la Series S. Et en fait, en branchant la Series S, ça a fait une mise à jour. Mais en fait, dans le processus de mise à jour, la fin, elle se fait sans fil. Mais le truc, c'est que quand tu branches la manette à la console, elle t'oblige à faire la mise à jour. Alors qu'avant, sur PC, comme j'avais pas installé l'application Xbox, je sais plus quoi là, accessoire, j'avais pas ce problème. Voilà. Et le jeu est toujours bloqué. Donc, le jeu, il va se faire quitter. Et puis c'est tout. Avec le Game Pass, éteindre la console, au revoir. Bye. Comme dirait Kirby, bye. En fila, elle marche plus du tout non plus. Non, elle va plus du tout. Elle est complètement morte. Il n'y a plus le firmware dans la manette. Et je peux plus la flasher. Donc, la seule manière, ce serait de flasher la puce elle-même. T'as fait peur, mon fond d'écran. Et j'assume, hein. J'assume mon fond d'écran. J'assume mon côté otaku. Bon, alors, on va lui Forza Motorsport par contre. Overwatch. Il y a une catégorie Overwatch et une catégorie Overwatch 2 sur Twitch. Venez, on va râler. Overwatch 2. A new season. Je parle app FR. Voilà. De toute façon, la notif n'est pas censée passer là. Du coup. Ah oui, je vais supprimer la démo de Robocop. La démo, elle fait bien 2 heures. Hein, Robocop. Litsugo. J'ai une grosse mise à jour de Nvidia qui a popé ce matin que j'ai pas faite. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, j'ai oublié un détail. C'est qu'il y a la mise à jour, n'est-ce pas? 5 gigaoctets de mise à jour. Moi, ça, c'est pas 5 gigaoctets, mais voilà, ça commence avec 123, mais je pense que c'est pas tout. Nous effectuons actuellement une maintenance en ligne. Ah non, tu joues à Overwatch, donc ils ont pas fait de maintenance. Genre celle qui pour qu'il vienne jouer avec moi. Ah oui, 4 gigaoctets la mise à jour. Léla. En attendant, on va pouvoir... blog. Le PlayStation Blog FR a sorti... Ah bah voilà, parfait. Bah écoutez, on va pouvoir discuter en attendant de la nouvelle PS5, c'est l'occasion de faire encore une vidéo. Ah.
Coucou. Bon, je suppose que vous en avez entendu parler. Il y a la nouvelle PS5 qui a été annoncée. Et officiellement, d'ailleurs, c'est la nouvelle PS5 qui adopte un nouveau look pour la saison des fêtes. Ce qui sous-entend qu'elle devrait sortir d'ici la fin de l'année en France. Puisqu'on a une date pour les États-Unis. On va l'appeler comment cette PS5? Nouvelle PS5? PS5 Digital Edition? Je sais pas. PS5 Slim, la nouvelle PS5 Slim. Elle est intéressante comme console. Elle est intéressante, par contre, je la trouve. Faudra voir en vrai, j'ai l'impression qu'elle est plus cheap que la PS5 qu'on a actuellement. Au niveau. Je sais pas. J'aime beaucoup la PS. Enfin, je la trouve grosse la PS5. Je la trouve. Elle a quelque chose d'original et. Elle a quelque chose quand même de. De moderne, de design, la PS5 Slim, elle me semble faire plus cheap de là où je suis. Je sais pas si c'est le côté glossy brillant. D'ailleurs, on peut voir que la coque, sur le dessus là, elle est glossy brillante. Et là, elle est mate. Elle est mate. Alors que la PS5, l'autre, elle est toute mate partout, avec des petits logos PS5 gravés partout dessus. Elle est vraiment... C'est quand même une jolie bête. Elle est grosse, hein. Elle est grosse, mais à la verticale, je trouve quand même qu'elle est... Elle est pas mal. Enfin, moi, elle est là-bas au fond, mais je l'aime bien, je me suis habitué. Là, bon, pour le design, voilà, j'en changerai pas. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup, la Digital Edition, on peut rajouter plus tard un lecteur de disque dessus. Je trouve ça vraiment pas mal. Comme ça, de base, t'es pas obligé de partir directement en achetant 549 € la console, parce que ça, c'est un autre point qu'il faut qu'on parle. Mais la console, elle est vendue... 549 €, c'est-à-dire que la PS5 Slim coûte plus cher que la PS5 de base quand elle est sortie. Ou elle coûte le même prix que la PS5 d'aujourd'hui. Mais je trouve qu'à 550 €, c'est cher. 499 €, c'était déjà cher, mais bon, ça passe. 399 €, je trouvais que c'était un très bon prix pour la PS5. Vraiment, je trouvais que c'était tu vois, c'était entre la Series S à 300 € et la Xbox Series X et la PS5 à 500 €. C'était à 400 €, c'était... C'est vraiment un sweet spot, c'était vraiment parfait. Moi, je l'ai acheté, quand j'ai vu à 400 € la console, je l'ai acheté direct, j'ai même pas cherché à réfléchir. Et en plus de ça, en bonus de nos jours, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, mais t'as pas de lecteur de disque. » Mais en fait, entre le PlayStation Plus Extra, entre tous les jeux que j'ai à bêta tester ou à tester, et entre toutes les promos qu'il y a sur le store, j'ai pas le temps d'acheter des jeux, d'acheter des jeux en promo, ou pas en promo d'ailleurs, je sais pas, même des jeux à 80 €, en plus sur mon livre. À certains prix des jeux, même si des fois il y a des soldes à 10 € le jeu en ce moment, mais j'ai pas vraiment le temps pour ça. J'ai plus le temps pour ça. En fait, bien comprendre que les jeux vidéo c'est devenu à la fois un travail et un loisir pour moi. Et du coup, quand tu bosses dedans et que tu es tout le temps dedans en train de bosser, ben en fait, tu as tendance à jouer beaucoup moins pour tes loisirs et tu joues à moins de jeux. Donc, du coup, si un jour j'achète un jeu à 80 € à sa sortie, ben, écoute, j'achèterai un jeu à 80 à sa sortie, mais c'est que j'aime le jeu. Starfield, j'ai dépensé 300 € en version démat, en version collect pour le jeu. Et voilà pour la petite explication, mais c'est pour ça que pour moi ça a son sens. Alors le lecteur coûte 120 €, et la différence de prix entre les deux versions est de 100 €. Alors si vous savez que vous voulez un lecteur, prenez directement la version avec lecteur, ça va vous faire économiser 20 balles. Si vous n'êtes pas sûr au début et que vous voulez juste la console pour jouer au PlayStation Plus Extra, vous avez déjà vos jeux des maths, ou vous avez juste joué à FIFA dessus, vous pouvez acheter le FIFA FC24 dessus. Je pense que la version hors des maths, voilà, et là, et 20 € c'est pas... 20 € plus que le prix en bundle, c'est pas grand-chose. Hein. 20 € c'est deux McDo, hein, pour rappel. Hein. Deux menus best-of. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ils ont dit que le volume, la console est 30% plus petite. Hein. Elle est 18 à 24% plus légère selon le modèle que l'on prend. Hein. La version, si vous passez de la version avec lecteur à la version sans lecteur ici, vous avez 24% de différence de poids. Voir, c'est entre les deux versions, les deux consoles. Mais bon, après le poids, ça n'a pas trop d'importance en vrai. Et ça dépend de la PS5 aussi que vous avez. Parce que les premières PS5 avaient beaucoup de métal à l'intérieur. Enfin, le système de refroidissement était vraiment massif avec beaucoup de métal et Sony a réduit le nombre de métal. Donc, ils avaient déjà réduit le poids de la PS5, ce qui permet d'économiser sur les frais de port notamment, puisque c'était un moment où les frais de port ils avaient explosé.
Évidemment, ça arrangeait Sony que ce soit plus léger. Et là, le fait que ce soit plus petit, je suppose que le packaging sera plus petit, ça permet d'en mettre plus dans un conteneur sur les bateaux, etc. Ce qui va réduire les coûts en usine aussi, puisqu'on n'a plus qu'une seule, on doit avoir plus qu'une seule chaîne qui fait toutes les PS5. Il n'y a plus besoin de faire deux chaînes pour les digitales et normal. Là, tu as une chaîne qui fait toutes les PS5. Et au packaging, tu en as où tu mets le lecteur, où tu ne mets pas le lecteur. C'est très intelligent de la part de Sony. Ça va faire des économies. Actuellement, ils ont décidé que ces économies peut-être compensaient une nouvelle hausse, ou, ça c'est en étant optimiste, ou qu'ils ont considéré que ça va permettre d'égaler plus de bénéfices par console, ou de perdre moins d'argent par console. Je ne sais pas à quel point ils en sont actuellement. C'est dommage qu'en tant que joueur, on n'en profite pas. Moi, j'aurais bien revu un retour aux prix normaux, c'est-à-dire la console de base à 399 €. Et ça aurait été un raz-de-marée, tu vois. La console Digital Edition à 389 €, le lecteur à 120 € à côté. Ce qui ferait du 520 € avec le lecteur inclus, ce qui baisserait quand même de 30 €, tu vois. Ça aurait été bien. Et un dernier truc aussi, c'est que le petit socle que vous voyez là, qui permet de tenir la console à la verticale, bah, curieusement, il est payant. Il coûte 30 €. Voilà. Pareil qu'il y a un socle à l'horizontale, mais j'ai pas vu ce socle. Horizontale. Donc je soupçonne qu'il n'y ait pas de socle à l'horizontale. D'ailleurs, on voit la console posée à l'horizontale à un moment qui est là. Et ah si, il y a un petit pied en fait. Il y a juste un petit pied qui se met au milieu, j'avais pas vu. Il y a un petit pied. Je sais pas si c'est inclus dans la console, genre que tu vois, tu mets ton doigt et hop, ça descend. Je sais pas vraiment comment il est. Ça c'est à voir. Voilà. Après, pour les caractéristiques, bah, c'est tout est pareil. Hein. Ils ont pas. Ils n'ont pas mis à jour. Ah si, il y a deux ports USB type C devant, alors que les anciennes, il y a un port USB type A plus un type C. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, après, la manette est vendue avec un câble USB type C vers type C, tout simplement. Et puis voilà, tiens, officiellement, eux, ils disent up to 2.23 GHz et 10.3 teraflops. Voilà. Pour ceux qui sont en mode 9.2 overclocké, non, 10.3 teraflops, donc 12 teraflops pour Xbox Series X. Bon, en jeu, en vrai, ça se voit pas. Si vous hésitez entre la PS5 et la Xbox Series X par rapport à la puissance, prenez la console que vous voulez par rapport au jeu qu'il y a dessus, en fait. Ou par rapport à l'interface ou la manette, des trucs comme ça. Parce que par rapport à la puissance, ça fait 3 ans que les consoles sont sorties. Je vais pas vous dire, waouh, les jeux qui m'ont le plus impressionné jusque-là, ça a été sur PlayStation 5. Notamment le Ratchet & Clank Rift Apart, que je trouve incroyablement beau. Et Horizon Forbidden West, même si sur PS4 il est très beau aussi, c'est un jeu qui a une très belle DA et que j'aime beaucoup. Voilà. Bah, c'est tout autour de cette console. Tout ce que j'ai à dire. C'est cool. Pour ceux qui ont besoin d'acheter une PS5, ceux qui ont déjà une PS5, il n'y a pas besoin de racheter une console. Donc je ferais peut-être dire que c'est tout bénef. Je la trouve vraiment pas très jolie. Mais bon, ça c'est. Il faudra que je la voie en vrai. Bon, ça n'engage que moi. Et puis voilà, sur ces amis, je vous laisse, je vous dis à tchao otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et nous, on part sur du Overwatch 2 en live. Ciao, bye bye. T'as laissé le jeu installé sur ta PS5. Je crois que entre temps, ça va. Vous allez pas, vous allez rire. Tout ça pour que ça télécharge toujours. Bordel! Pour ça, Apple doit arrêter ça. J'aimerais bien ne pas parler de l'actualité. L'actualité triste. Je vais préciser qu'elle a 1 teraoctet au 825 gigaoctets. Elle a 1 teraoctet au lieu de 825 gigaoctets, ce qui fait gagner quand même 125 gigaoctets, ce qui fait gagner un jeu globalement, on va dire. Toujours ça de prix.
The Crew, il est que sur Xbox S et X, hein. De tête, hein. Ah, mais ça parle beaucoup sur la... Ça, le commentaire, il va y avoir écrit que c'est pas en 4K. Il y a du ray tracing, là. Presque fini. Tu as quand même à 9 mégaoctets par seconde. C'est eux qui ont fait une mise à jour qui est putain longue. J'ai le temps d'uploader mes vidéos entre temps. Oh yo. Yo yo, oh yo yo, oh yo yo. Merde. Attends, ça va pas prendre en compte ce gros. Pourtant tu es SS sur SSD. Mais non, mais oui, mais c'est la connexion internet. Enfin, c'est ça là, tu vois, ça va à 900, ça allait à 9 mégaoctets par seconde tout à l'heure. Mais c'est pas mal 9 mégaoctets par seconde en vrai. 9 mégaoctets par seconde, on est presque à 80 mégabits par seconde. A connu pire. Mais après c'est fini là. Ça va, faut chiller. Et qui a dit de jouer à Overwatch 2 d'abord? Sinon on serait sur Forza Motorsport tranquille. Comment je peux dire? Mon premier avis, j'aime pas. Marqué Sony annonce la PS5 fin. Donc, premier avis à chaud. Vais-je l'acheter? Ah, hop. Oui, mais elle est sortie. Elle est sortie à la Xbox 7. Elle est sortie à la Xbox 7. Elle est sortie. Elle est là. Je suis en Martinique là, non? Ah merde, si je suis en Martinique, ça n'a pas marché. Voilà, elle est là. La Xbox 6 ou 7. Elle n'est pas encore disponible en Martinique. Elle est là. Ça, c'est la Xbox 6. Et ça, c'est la 7. Le noir est un peu plus profond. Et elle est un peu plus rose. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la 6 peut aller que jusqu'à 2 gigabits par seconde et 600 montants. La nouvelle, elle va en 1 gigabit montant et elle va en 5 gigabits descendant. Après, en vrai, de vrai, si vous avez la 6, vous ne pétez pas plus la tête que ça parce que c'est compliqué d'avoir du 5 gigabits. Hein. Même sur les serveurs web et tout... Je vois pas où est-ce que vous avez été en 5 gigabits. Par contre, ce qui est bien, c'est si vous avez par exemple 4 enfants qui ont chacun. Ouais, ils ont pas changé de design. Vous avez 4 enfants qui ont chacun Netflix et il y en a un qui joue, etc., etc., etc. Évidemment, avec 5 gigabits, vous allez avoir un tuyau plus gros. Mais si vous voulez télécharger plus vite vos jeux Xbox, ça va pas fonctionner en fait. Je pense que sur les jeux Xbox maximum, tu dois être à. Attends, quand tu as 700 ou 800 mégaoctets, on va dire 1000 mégaoctets par seconde, tu as 8 giga. Non, tu as 800 mégaoctets. Attends, j'ai des conneries. La Xbox, elle met en. Elle met en. Mégabits. Si tu as 5 gigabits, que tu dises par 8, c'est chiant à diviser par 8. Diviser par 4, tu as 500. T'as 600 mégaoctets à peu près par seconde.
Mais je sais pas si la. Mais non, mais après, derrière le problème, c'est que la Xbox, t'es en Wi-Fi 5. Faut mettre un câble Ethernet sinon. Et câble Ethernet, t'es à 1 gigabit, en fait. Je sais même pas le port Ethernet Xbox Series X. C'est un 1 gigabit par seconde, tu vois? Donc dans tous les cas, je vois pas comment tu peux. Tu pourras jamais utiliser. Tu pourras jamais utiliser 5 gigabits par seconde. À moins d'avoir 5 Xbox. La PS5 avait Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 débit, je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est pas du Wi-Fi 5, c'est du Wi-Fi 6 débit PS5. C'est 4,8 gigabits par seconde. En fait, elle peut aller à 8, à 1,2 gigabits par seconde. Du coup, techniquement, la PS5devrait t'échapper plus vite en Wi-Fi qu'avec le câble Ethernet. Mais en pratique, les gens n'ont que du 600 mégabits en Wi-Fi sur la PS5. Après, c'est compliqué tout ça, parce que tu as la théorie et tu as la pratique. Et en plus, le SSD est à 5 gigaoctets par seconde. Mais ce que beaucoup n'ont pas conscience dans la vraie de vraie vie, c'est que en gros, le serveur aussi, il doit tenir. C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir du 5 gigabits à la maison, par exemple, mais il faut aussi que que les serveurs de stockage des jeux donnent du 5 gigabits par seconde aussi. Et ça, c'est compliqué. À moins de mettre des SSD sur tous les serveurs, des SSD, alors que ça sert à rien. En vrai, il vaut mieux mettre des disques durs. Après, en vrai, on a déjà des vitesses qui sont déjà tellement énormes, tu vois. Sont déjà tellement énormes que quelque part bon après moi je suis vieux hein, je suis pas dans le toujours plus mais qu'est-ce qu'il me fait le jeu putain 11,25 gig kiloctets par seconde j'ai envie de le claquer le jeu il y a actuellement une maintenance en ligne merci Blizzard. Mais c'est aussi depuis tout à l'heure que c'est bizarre quand même que ça avance pas. C'est quoi ça? Oh, elle est trop belle. Ah, j'ai vu tous. Là, c'est le nouveau passe de combat. Mille pièces. Voyons voir qui est en live du coup. Lydia, ah, il y a Swanny. Vieux de la nuit. Rakot. Ah, il y a Taïwana. Le farm là, j'ai mal, hein. Oui, c'est un bon retour. Elle me fait délirer. Elle est partie direct sur du League of Legends. C'est bon, hein. Elle gagne en Il 5-0, ça va. faudrait la bouteille, là. Hey, mais le jeu, il me troll, en fait. Respect et Merdinger, hein. Enfin, je veux dire. Coucou, mon petit
petit otaku, comment vas-tu? Avant niveau 6, il peut rien faire. Faut que tu le fasses le plus chier possible, l'empêche de faire mon maximum. Ok, merci pour le tips. Merci pour le tips, Cassava. Ouais, j'ai un appel. Putain, l'appel qui a tout planté. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Et j'en ai marre d'attendre. Je sais pas pourquoi mon jeu, il refuse de télécharger. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de nouveau héros pour la nouvelle saison. C'est fait un peu douillet à ce niveau-là. Ah bah tiens. Faut vraiment que je règle mon problème de farm, hein, parce que là... Attends. Pourquoi ? Oh, merci Inglorious pour le sub. Merci à toi. Merci de me soutenir. Pourquoi ça me dit que je peux y jouer ? Overwatch 2 vous prive de Taïwana. Ouais ! C'est ça, vous êtes punis. Après, vous pouvez aller chez elle, hein. D'ailleurs, je vais lui faire un shoot. Regardez ce qui se passe. Désolé, hein, si je vois pas, c'est que je suis tellement. Ouais, un écran noir. Mais... Ah genre le truc, il a fait sa mise à jour, il a lancé le jeu, il m'a rien demandé du tout. Tout va bien. Tout va bien. Allez, shout out Taïwana, vous pouvez la suivre. Elle joue beaucoup à League of Legends et à... Et à Baldur's Gate 3. Voilà. Elle est super sympa. Sauf qu'elle rage beaucoup sur LOL, mais je crois que c'est pour ça qu'on la suit. Alors, on va passer en PC Gaming. Voilà, là, je vais essayer de lui donner un peu d'air à mon PC. Que j'avoue que même pour moi, il fait hyper chaud, je comprends pas. Voilà. Merci d'avoir participé à la saison 6. Et je suis hors. Ouais. Pourquoi j'entends pas la musique? Vous savez que c'est louche cette histoire. Louche, c'est louche, c'est louche. Je pense que le son est sur un autre casque, en fait. Viens de le voir sur ton écran. Tout comme moi, tu as reçu 3000 crédits Overwatch 1. Bah pourquoi j'ai reçu 3000 crédits? C'est genre pour me faire revenir jouer? Je vais commencer à moins se râler, ce sera moins marrant. Bon, attends, j'ai un problème parce que... Pourquoi j'entends pas le jeu? More passion, more passion, more energy, more energy. Délire. Ah ouais.
Attends, je comprends pas pourquoi. J'ai relancé le jeu. Tu vois, j'ai le logo que ça télécharge. Je comprends pas. Ah d'accord, quand tu cliques sur jouer dernièrement, ça te lance le jeu. Il n'y a pas de son. Putain, attends, c'est moi ou c'est Lilith? Boupsai, yo. C'est bizarre. Quand je mets par défaut, j'ai pas le son. Il est censé être. Ah, il est fini maintenant. Mais c'est pas censé être un problème, quoi. J'aurais quand même réglé ce problème qui est bizarre. Voilà. Voilà. Je suis pas censé être Bon, là on est tranquille. Et il y a quoi de nouveau? Est-ce que genre il y a du DLSS qui existe? Du FSR 1. Ouais, abusez pas, FSR 2.2. J'ai pas besoin d'FSR avec mon ordi normalement. Oui, j'entends la musique de fond. Ouais, super. La mise à jour, ok. Alors, commençons par la boutique. J'ai 1229 pièces jaunes. Je sais pas comment ça se fait. J'avoue que... Mais il est dégueulasse, ce FSR. Ah non, mais je peux pas. Je refuse d'avoir un jeu qui est flou. Je refuse. Je refuse d'avoir un jeu qui est flou. Du coup, c'est dans le menu. C'est le FSR. Pourquoi le FSR est flou? Je comprends pas. Par défaut. Ok. Ça y est, on va pouvoir voir tranquille. Voilà. Ah, c'est toujours flou. C'est toujours flou en fait. Du coup, j'aurais pu laisser le FSR. C'est le skin de Lilith qui. Je sais pas. L'anti-aliasing, il est pas ouf. C'est quoi ce délire? Ultra par défaut. Anti-aliasing. D'accord, en fait le jeu utilise le FSR pour faire du suréchantillonnage. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en épique. Tu vois, il utilise du FSR 1.0, donc c'est peut-être moi qui ai voulu mettre du FSR 2. Peut-être c'est buggé, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, boutique. 2000. Ah non, c'est 40 balles. Ah non. Inarius. Par contre, des skins, il déchire. Enfin, pas lui. Et j'avoue, ça me donne envie de jouer.
Ça me donne envie de jouer Moira là. $40, mais non, je vais pas payer 40 balles pour ça. Je comprends pas pourquoi dans le pack de démarrage il y a le citrouille qui est nul. Franchement, il y aurait Lilith, j'aurais peut-être acheté. Ouais, mais il y a 3 skins pour 40 balles, je précise. Mais le seul qui m'intéresse vraiment, c'est lui. Après, peut-être dans le Battle Pass. Hein. Bon, ça tire, bof. Je comprends pas toujours les choix en fait. Oh, pourquoi en fait? Thème de l'eau? Bodero? Je sais pas. Je ne sais pas. L'eau, financement participatif, CMD. L'eau XSL, financement participatif, CDMO. Overwatch League. Coupe du monde d'Overwatch League. Je comprends pas. Aurel 4K. Surtout que c'est juste du cosmétique, ça ne t'appartient pas. Pas faux. Après que ça t'appartient pas, je dirais qu'est-ce qui nous appartient de nos jours. Ok, personnage. Ça c'est les mêmes. Ouais, c'est pour acheter les persos. Du coup, il n'y a pas de nouveau héros pour cette saison. Autant ça me fait plaisir d'avoir Lilith. Autant ça doit pas masquer que c'est claqué ce qui se passe derrière. Ah, je l'ai pas celui-là. J'ai 5632 points varouche. Comment ça marche les sous? Tu vois, tu gagnes des sous de manière aléatoire, ça c'est pas bien non plus. Ça c'est pas bien. Widow. Ange de glace. Ça fait tellement longtemps que je joue pas Overwatch que du coup je découvre des skins, j'ai l'impression que c'est tout nouveau. Ah oui, mais je l'avais pas eu là. Pourquoi je l'avais pas eu? La Brigitte Givray, elle vient d'où la Brigitte Nacré? Je sais plus d'où elle vient. Bon, après, je l'avais pas prise, je l'avais pas eu. Elle était peut-être à gagner. Ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Il y a Diva, mais je l'avais déjà. Là, il y a Lucio Hermès. Bah avant, j'avais envie d'avoir tous les skins, mais comme ils ont tout niqué dans le jeu, ben voilà, j'ai plus envie. Tu vois, normalement, ça là, Symmetra, tu vois, j'aurais dire, ah ouais, banger, tu vois. J'aurais dire banger. Mais j'ai un peu dégoûté du jeu. Attends, il y a Diva Pilote Infini. Attends. Celle-là, elle était pas dans le premier Season Pass? Ah ouais, tu peux... Pouah, les mecs, ils donnent mal à la tête, quoi! De... Bah écoute, voilà, hop. Moi, j'ai pas besoin de le faire. C'est réglé. Voilà. Allez, Brigitte. Hop. Réglé. J'aimerais bien prendre la Symmetra, mais bon. Encore faut-il jouer Symmetra? Peut-on jouer Symmetra en 2023? Ça, c'est notre question. Ah, oh, ça, j'aimerais bien l'avoir. Mais c'est ça, j'ai la sensation d'avoir une autre Sombra qui est pareille. En fait. Là, le Chanel aussi, je peux avoir pour 1500. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais j'aime bien ce choix de proposer des skins avec des pièces d'Overwatch 1 dans la boutique. Ouais, mais on reçoit quand les pièces? Tous les combien? C'est combien d'argent? Tu vois, c'est space. Et on peut mettre nos skins préférés avec les étoiles.
La griffe. Ouais, tu vois, je l'avais déjà. En fait, le chasseuse dorée, c'est juste une variante du chasseuse de démons. Je veux pas me faire enculer. Je veux pas me faire enculer 3000 pièces pour ça. Et non. Par contre, j'aurais bien aimé pour le chat néant. Faut que tu les confestes. Tu as des défis pour les pièces au Overwatch. Hein. Je sais même pas comment on fait. Hebdomadaire, c'est ça? Ouais, vas-y, c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Buzzbot, c'est un sujet sérieux. J'aurais 30 et tout, j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Un Aoun, c'est efficient, c'est quoi? Y'a pas des drops là? Je peux pas voir sur mon stream. 10 octobre. On dirait qu'il y a des drops, hein. Je pense qu'il y a des drops. C'est ça, il y a des nouveaux skins là-dedans. Moi, je regarde à nouveau l'Overwatch League. Ils sont pas activés. Bon, ben, je peux pas. Alors. Sinon, ça serait activé tout seul. Maîtrise héroïque, il y a des nouveaux persos. Ange. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est les mêmes. Je veux son bras. Nous souhaitons son bras. Nous souhaitons son bras. Ah bah voilà, 30% du drop. Monsieur fait des drops. Mais monsieur fait comme s'il faisait pas de drop. Je suis restreint sur Instagram. Alors que j'ai rien fait. Ah, j'ai oublié de regarder Battle Pass. Je voulais son bras. Mais insupportable cette son bras, elle a pas de nez. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? What? Il est extrêmement lent. Je ne suis pas conseiller technique, mon grand. Ah, je sais, je sais. Mais. Puisque les ordinateurs, c'est pas mon fort. Je vais essayer de l'éteindre. Je veux plus me TP. Alors, je t'ai fait peur. Mais attends, je peux plus devenir invisible. Ah si, là, je suis invisible, ok. Et il y a un rond. Le rond, je suppose que les gens me voient s'ils sont dans le rond. Je suis obligé d'apparaître pour le virus. C'est n'importe quoi. Mais attends, genre, elle est tout le temps invisible, son bras?
comprends rien. Bon, attends, on va passer sur un truc plus simple là. Je crois que les mecs ont réussi à ruiner ma sombra là. Et... Ok. Ouais, descends vite. Toi aussi, t'es mort. Voilà. C'est réglé. Faites les couilles depuis tout à l'heure. Elle est pas sous la merci. Elle est tranquille. La situation se corse. La situation se corse. Corse. Vous savez, l'île de beauté. Elle est presque morte là, merci. Elle est morte. Là, il faut que je m'entraîne à nouveau. Le ping a l'air bizarre. Ah, je suis à 93. Je suis obligé de pré-shot un peu à droite. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, Mati? Je me fais focus. Rejoignez-moi ici. Retrouvons-nous ici, ici. Voilà qui est fâcheux. Mon écran apparaît. Ah, ça a pris. Ah ouais, je mets vraiment pas assez de tête, hein. Je vais apprendre les bonnes manières à cette vermine. Après, c'est la première fois que je joue avec cette manette là. Elle a 175 points de vie. Elle a 175 points de vie, Widowmaker, c'est nul. Attends, non mais son bras, il faut que j'aille en... Faut que j'aille en entraînement parce que... Je comprends rien en fait.
Ouais, faut que j'aille enchanter, je le comprends pas. Non, pas enchantir. Ah si, enchanter, ouais, c'est ça. Il n'y a aucun secret dans mon univers. En fait, déjà, pourquoi de base, ça me met... Bah, pourquoi elle est tout le temps transparent, en fait. Ok, pourquoi pas. Ok. Pourquoi il y a un rond du coup autour? Je peux hacker de plus loin que le rond. Ça est toujours pareil. Ok. Ok, le translocateur, tu peux l'utiliser en étant invisible, par contre. Donc, tu peux l'utiliser pour monter, en fait. En fait, tu peux plus niquer une team et disparaître. Ça, c'est fini. Faut que j'y aille. Tu vois. Système corrompu. Et me revoilà. No te molestes. Et pareil, quand tu es visible, tu n'as plus la maîtrise. Donc, une fois que tu as hacké quelqu'un... T'es obligé d'engager le duel avec lui et tu peux pas vraiment t'échapper. S'il y a une team autour de toi, ils peuvent te tuer en fait. Parce qu'avant, là je hack, je faisais ça et je disparaissais. Tu vois, mais là on peut plus faire ça. Ah d'accord, elle a un buff de dégâts aussi. Par contre, du coup, quand hack. Un deck, il a plus le bonus de dégâts. Où est-ce qu'on peut dire ça? Piratage ne peut pas empêcher ses capacités visibles à travers les murs. Un kit de soins piratés subir des dégâts interrompus. Donc il n'y a plus le boost de dégâts sur les cibles de piratés. En fait, c'est le virus qu'il faut mettre maintenant. Pour les dégâts. La furtivité. Le temps de furtivité est réduite après la téléportation. Ok, donc attends. Du coup, ça veut dire que tu fais ça. Tu fais ça. Et tu fais ça. Ok, je vois le délire. Système corrompu. En fait, si tu engages et que tu tues quelqu'un et que tu veux te remettre en... Tu vois, faut juste... Bon, c'est un peu débile par contre, du coup. Une fois que t'as tué, faut faire ça pour devenir invisible. J'ai l'impression qu'on court pas plus vite aussi quand on est... On a l'air de courir légèrement moins vite aussi. Bon, pourquoi pas. Et pour finir... Ok. Il y a besoin de viser. Ou genre dès que t'es comme ça. Même si t'as le cœur à côté. Non, ça part vraiment en ligne droite, donc faut vraiment viser. On va essayer. On va essayer. Ouais, c'était quoi là? Pas mal. On n'a pas eu de passe de combat. Salut Skynix, ça va? Ah, la Widow! Les Widow, elles sont toujours trop belles. La Widow, elle est incroyable. Fiancée automatique. Fantomatique, pardon. Elle est incroyable la Widow. Ah ouais. Magnifique. J'achèterais presque le pass de combat pour elle. Magnifique le corbeau nocturne aussi. Pour une fois. Ça va très très bien. Le Lucio il est cool. Ah il est gratuit le Lucio en plus. Je
J'ai pris du temps à reconnaître. Le hamster là. Anna. Pas ouf. Pas ouf. Pas mal. Petit visage rose, bon. Il ressemble beaucoup à un skin qu'il y avait déjà. Cool le Ramattra. Attends, j'aime beaucoup cette entrée en scène. Joli. Pas mal. Même si c'est pas mon genre. Genji. Ah, il est cool. Le pass de combat est cool. Peut-être que je vais revenir jouer, hein, on sait jamais. Peut-être, qui sait. On sait pas en fait. On sait pas en vrai. Je fais très bien. Je fais très bien, Skynix. Le virus arrive environ 60% des PV sur un ennemi à 200 points de vie environ. Possible. Attends, je vais chercher un truc à manger. Zapper le avoir. Si je prends un Mr. Freeze, ça compte pour un avoir. Circuit royal à Monaco. Putain, il y a quelqu'un qui a pris son bras. BRB. Nouveau mode, quoi? Le convoi doit se remettre en mouvement. Bah oui, il y a un mec qui s'appelle BRB. La partie elle vient de commencer. Elles sont pires qu'avant et son bras. Je vais apprendre les bonnes manières à cette vermine. Je répare ta structure. Merci. C'est injouable. Attends, je vais baisser ma sensi en fait. J'ai touché dans la tête. Dites-moi, les dégâts de Widow ont été nerfs. Pourquoi elle fait pas 200 dans la tête? Et moi qui a pas assez chargé. Putain, j'en ai marre, j'ai trop de ping. Du coup, je sens que je mets des balles. Voilà.
Lol, on est réussi. C'est qui m'a dit que je hard target? T'as pas la fibre? Si. J'ai la fibre, mais j'habite en Martinique. Ah, j'ai retrouvé mon chouchou. J'habite en Martinique, j'habite ni en France ni aux États-Unis. La fibre, et la fibre, c'est pas magique! Ça reste régi par. Ah, si je... Ah bah je vais jouer son bras, c'est parce qu'il avait pas son bras moi, c'est tout. Pourquoi elle devient pas transparente son bras? Je comprends pas. Idiota! C'est vraiment débile le truc pour te mettre en... Pour être invisible, c'est chiant. Débile. J'ai autant de ping en VDSL. Bah, c'est normal puisque la fibre n'a pas un ping totalement incroyable par rapport au VDSL. Elle sera plus ou moins le même. Ce qui va beaucoup dépendre de ton ping, c'est surtout la distance par rapport au serveur où t'es. Quelqu'un peut être littéralement en ADSL. Et avoir un ping de 3 millisecondes parce qu'il habite à côté des serveurs de chez Blizzard. Et l'inverse, c'est vrai. Par contre, le débit, lui, dépend vraiment de la fibre. Quoi. La fibre permet techniquement d'avoir un meilleur ping parce que vitesse de la lumière. Sauf que vitesse des électrons dans le cuivre et vitesse de la lumière, c'est pas non plus une différence phénoménale. Je sais pas où tu es. Ah, t'es en Guadeloupe, c'est ça? Bah, si t'es en Guadeloupe, t'as essayé d'avoir de Martinique, t'as la même chose. Après, attention, moi, ce que j'ai, c'est la latence globale. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, d'ailleurs. C'est un mélange de ping et d'autres éléments. De 90 demi secondes. Ouh, la Widow Mousquetaire. C'est une nouvelle carte? Ah ouais, tu aimes pas une nouvelle carte? Faut faire quoi avec? Je vise pour tuer. Est-ce qu'on va ton bras Widow? Elles sont où mes emotes là? Voilà qui devrait être intéressant. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez une Symmetra à la place? Ah, pas de choix, Symmetra. Fait quoi? C'est de l'attaque? Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a 2 points. C'est un 2 CP. Allez, viens, Diva. T'es bien grosse!
Va bien son bras, ça part, on va me gérer. Oula. Idiota. Pour l'info, je t'ai ciblé Tramaine pendant longtemps. Après, ils se comportent un peu comme des bottes aussi, hein. Putain, mon aim. Mon aim, il est dégueulasse. Là, je vais remonter ma sensi, j'ai l'impression qu'elle est légèrement trop basse. Enfin, ma team est morte. Aucun chemin n'est complètement tracé. C'est quoi ça? Les flammes de la libération brillent de mille fois. Yahi, parole vaste avec ta. Piratage, admirez la création. Maintenant, j'ai vu qu'elle datait de ce côté. Ok, on a récupéré le point. Tu as changé de souris depuis la dernière fois? Ouais, j'ai changé de souris. J'ai pas. En fait, avant, quand je jouais en compétitif à Overwatch, j'avais cette souris-là. Enfin, j'avais l'ancien modèle de cette souris-là. Mais depuis. C'est quoi ça? Ah, c'est son bras. On voit vachement bien les trucs qu'elle a hackés. Hein. Oula. Ouais, ils ont fait, c'est l'attaque. Les 89 là, Nicki Minaj, elle nous bolosse. J'aime bien ce qu'elle fait comme chanson, mais j'ai pas envie qu'elle nous bolosse. On peut se charger sur le mur, oh, trop bien. Aïe. Attends, il faut que j'aille aider Mercy. C'est dommage, hein. J'aime bien la couleur de cette carte. Ouais, je sais pas où elle se déroule, mais ça fait assez tropical. Assez tropical. C'est Numbani, ça. C'est à côté de Numbani, en tout cas, on dirait. J'ai du mal à jouer avec Ramattra parce que je comprends pas trop le gameplay de Ramattra. Tu sais quoi? Je sais pas pourquoi j'aime bien Overwatch là ce soir. Je suis pas super satisfait des changements sur son bras. Mais bon, je suppose qu'ils l'ont fait parce que son bras était complètement broken, hein. Tu voulais monter, tu pouvais beaucoup faire de son bras. Notre travail n'est pas terminé. Oula, pourquoi ça va ralenti? J'ai pas. Ah, il y a un seul point à défendre en fait. J'avais pas compris, d'accord. Le pire perso reste Doomfist. Doomfist qui est toujours en tank d'ailleurs. Hein. C'est ça, ils ont laissé en tank. Doomfist était tellement impossible à. Était tellement impossible à. Repérer leur point faible. À équilibrer que les mecs ils ont fait bon c'est bon on le met en tank, on rajoute de la vie. Super, tout le monde va l'oublier. En plus c'est pas ouf en tank. Hein. J'aime moins sa deuxième partie. Hein. En plus elle ressemble à la carte de D.Va là. En fait j'aurais pas dû les suivre parce que je. Mais
Oula. C'est là? Ah putain. Ça va, je me réhabitue à l'aim. Ah, la mère, elle fait chier. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, parce qu'on peut descendre là. Non, j'aime pas du tout, j'aurais envie qu'on perde ce round pour voir le premier. Je veux trop, hein. Je peux sauf trop. Mais focus le tank, ça me fait trop. Il arrive pas à se trop. Tu ne manqueras personne. Ma capacité ultime n'est pas encore prête. On la verra la troisième partie. Un jour. Viens d'où le chat GG, il est cool. Elle est bien la carte, mais je sais pas. J'ai pas la sensation de jouer à une nouvelle carte en fait. D'accord. Parce que moi, ce qui est surtout de sur Fortnite. Oula. Ah, attends, on peut aller dans la salle d'arcade. Attends. J'ai vu sur la page d'accueil, voilà. C'est ça ton mode coop? On fait ça d'abord. Après, on ira en cop. C'est bizarre, Keitaro voulait pas jouer à Overwatch. Ah, il y a le mode, il y a un nouveau compétitif du coup. Rien qu'à changer. Toujours aussi moisi. Putain, elle a pris mon ramasse. Un bras ou Widow? Nous bâtissons en une commande à partir de là. J'ai des stades d'autres systèmes à pirater. Ça roule? Vous envoie des ondes de soin. Je me suis abstenu car leur cerveau en crache deux fois. T'as perdu des trucs hein, quand ça crache?
Mais il y a écrit, enfin Tal avait écrit qu'il faisait des de la maintenance sur les serveurs. Attends, on n'a pas fait cette carte, je crois. Non, si, c'est pas que c'est la... C'est le reverse. Ouais, c'est ça, c'est la reverse. Boum! Headshot! C'est n'importe quoi, putain! L'autre avec ses plantes de merde! Quel gameplay! J'étais sur le nouveau mode coop de Halloween, j'avais pu finir le jeu. Je vais essayer. Le problème, c'est que le TP, je crois, il est pas persistant. Ce sera le problème quand même, c'est déplacement. Ouais. Good one. Elle dit du good one pour vos TP. Putain, comment Zarya a fait ça? Zarya a protégé son... Elle a protégé son healer en se mettant devant avec une bulle. Et mon laser est carrément arrêté. Très random à jouer un en 5v5. Hein. Ah oui, il y a les trucs de Diva. En fait, tout ça, ils ont repris les assets. Ah oui, c'est le vaisseau. C'est normal. C'est un compliment. C'est normal, parce que ça, tout ça, c'est le vaisseau. Okay. Waouh. Regardez. Forêt tropicale. Il y avait quoi là? Une spéciale?
Et cloche, c'est tous les combien de temps? Bah c'est, ouais, c'est la dernière qui manque. Ouais, elle est cool, mais je sais pas. C'est tellement simple de faire une 2CP que... Enfin, une Proton Point. Ça, elle a... Au niveau design, si t'enlèves... au niveau level design pur, ben, ressemble à la carte qu'il y avait en Chine, par exemple. Enfin, elle n'a pas vraiment de particularité. Voilà, t'as les maisons. Tu vois, ressemble à la carte de Grèce, par exemple. Là, t'as des maisons placées, t'as le point. J'aime bien, mais j'ai pas la sensation que ce soit ultra nouveau, quoi. Visuellement, c'est joli si tu veux, mais... Elle est claquée, Kiriko, maintenant, c'est ça? J'ai vraiment la sensation que Kiriko est claquée. Ouais, Skynix. Il est joli son skin. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je healais beaucoup. Très très dur de placer des têtes. Toujours été claqué vilain. Vilain Skynix. Pas gentil ça. J'ai beaucoup aimé Kiriko quand elle est sortie. Attends. Le mode coop. J'avais oublié que les missions existaient, tu sais. Complètement oublié. Notre mission de Göteborg est un succès. Les forces du secteur 0 dans cette région ont subi un important revers. En fait, moi j'ai oublié. Et le secteur 0 ne se laissera pas. Overwatch a oublié aussi. Cette guerre. C'est quoi de nouveau? Commencer. Cinématique. Mission accomplie. Ils ont racheté la possibilité de voir revoir les cinématiques qu'on a déjà vues. Trop bien. Trop bien. Mais c'est tellement bien. J'ai tellement rien à faire. Bon. Je regrette mes 15 balles, hein, je vais pas mentir. Attends, le coop, c'est Dr. Schlackenstein. Ah non. Je me rends normal, parce que ça me fait peur. Je sais pas si je vais aimer. Si j'étais sûr d'aimer, j'aurais mis le... J'aurais mis difficile. Wow. On a les skins! On a les skins, sa mère! Bah. Je suis triste, je voulais Moira. Je voulais Moira! Moira Lilith! Moira Lilith, on peut la voir qu'en l'achetant? 40 euros? Non, je suis arrivé en mode. Vous, les fans de Diablo, vous aimez Lilith? 40 balles. Quand même, c'est Caron. Et Caroben, elle pète les couilles. Mais j'avais pas son bras à la base. Ah ça y est. Caroen, elle a fini de manger. Elle dit bon, c'est bon, je peux enfin. En cette nuit prophétique,
Ouais. Oh non, pas encore ce... Pourquoi toujours ici? Toujours au château. Épreuve de sanctuaire. Il arrive un bot. Les bots étant meilleurs que les joueurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout pris, hein. Je suis puissante. En fait, c'est Slackenstein 2, quoi. Bah, ça va me donner des réflexes pour son bras, c'est pas plus mal. Ça sert plus à rien de hacker pour moi là. Vu que le hack n'a plus de boost damage. Ça a l'air difficile, hein. Bah, je suis en normal, ça a l'air difficile en temps normal, hein. Comme je l'ai hacké. Je sais pas, je suis à 232 PV. On peut empoisonner plusieurs personnes avec le poison. Il y a des moments où le jeu du... Ah, peut-être, je vais pas... J'ai arrêté de privilégier le stream au gameplay. Du fait que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des micro-coupures. Regarderai au replay. Pourtant, je suis à 75 FPS, ça va. Je suis pas non plus à 120 ou 160 FPS en vrai. Nuit.
J'ai un pistolet en or. L'assaut ne fait que commencer. Mais c'est pas ce qu'ils voulaient faire pour Overwatch en mode coop, PvE. On devait pouvoir upgrade nos personnages. C'est la tristesse. Qu'est-ce que... Je comprends pas là. J'ai envie de jouer son bras, mais pour de vrai. Y'a pas l'Overwatch League qui revient? C'est dommage parce que le PvE d'Overwatch 2, c'est ce qui devait faire venir des gens sur le jeu. Tu sais, les gens qui jouent pas en PvP. Genre, ça aurait dû en faire le Fortnite et le jeu est un gros échec. Les habitudes d'Overwatch 1, il y en a un peu qui jouent. Et encore. Quelle IA, mes amis. Bonjour. Le démon est déchirant en deux carrément. Ah, oh, elle est cool la saison. Ça s'améliore, ce Overwatch. J'ai du plaisir à jouer, ça c'est cool. Ça s'arrange. Le business model est un peu moins... je tire l'argent par le trou du fion, quoi. Ça, c'est cool. Eh, la boule, là. Reste là. What? Comment ça se fait qu'il sort pas de la boule, cet imbécile? Je suis ultra puissante. Mais attends, c'est n'importe quoi. Bon.
En fait, c'est les modificateurs. Ouais, ils ont vraiment repris les idées qu'il y avait pour le mode PvE. Qui aurait été trop bien en vrai. Quand même emmerdant ce mode hein. Je comprends pourquoi ça t'a emmerdé de devoir le faire plusieurs fois hein. Et encore je joue son bras, c'est assez marrant mais parce que je m'entraîne en même temps. C'est pas ouf ouf hein. Tuer 200 sbires bon. Ah oui, trop de joueurs, carrément. Trop de joueurs sur Overwatch 2. Ils ont dû sortir le champagne, alors. Les trucs, c'est des sacs à PV, sa mère! Faut virer les gars de chez Blizzard là! Il est la nouvelle team là qui fait n'importe quoi, faut la virer! You, Jeff Kaplan! Est-ce que vous pensez que Jeff Kaplan il continue de jouer à Overwatch où il a démissionné et plus jamais de sa vie il a joué à Overwatch? Là, il a fait, je vous laisse votre merde, c'est bon, vous avez gagné. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? De la roll queue? Du 5v5, vous voulez un seul tank? C'est bon, vous aurez tout ça. Moi, je me barre de cette merde. Mec, 140, il reste encore 60 putains de persos à tuer. C'est insupportable. Après, ça se trouve, on fait mal les choses, hein, je sais pas. What the fuck? Une bénédiction de la lumière. De multiples internautes au sol. Pourquoi ils disent ça, son bras? De multiples internautes au sol. Car elle pourrait arriver à tout moment.
Là, il n'y en a plus que 20 à tuer. Je garde mon IEM. Que je pense dans 15. Plus que 4. Ça y est, Lilith. Ouais, ça c'est stylé par contre. Lilith, on t'aime. Calme-toi, Nid. Oh. Admirez ma puissance. Puissance de merde. Au revoir, Lilith. Bon, c'était à faire une fois dans sa vie, mais plus jamais. Plus jamais. Sa mère, 17 minutes. Merci Keitaro. Assuré, c'était en normal. Hein. C'est bien ce que je pensais. 17 minutes, c'est hardcore. Absolument, Frankenstein, non. Tous ces modes là, c'est non. Ah, attends, on va annuler. Ça donne 500 XP pour le pass quand même. C'est des saloperies. Et si je fais ça, je serai jamais en dégâts. Mais bon, 500 XP pour le pass, c'est pas mal. Ah, mais en fait, j'ai tous les héros à cause du Game Pass, c'est ça? Attends, pour le stream, j'ai... Ah, mais là, il y a un petit crénelage. Pas très bien parce que il y a bien le FSR mais je vois pas la résolution sauf si le FSR va avec ça en fait. Ouais, j'ai juste de faire en sorte que c'est ça, ouais, que j'ai vu. C'est la résolution dynamique, je l'ai pas d'activé. Oh, on veut pas jouer Diva. J'ai acheté ça. Merde, Diva 50s. Swag.
Diva Swag. C'est l'heure de sauver le monde. Allons-y. En fait, c'est parce que là, si on s'y prend bien, faut activer ça. Rien ce qui lui arrive. Et après, je me bloque en 60. Les architectes de Vishkar terminent toujours leur tâche à la perfection. On va faire ça comme ça, on verra ce que ça fait. 75. Putain, mais il y a du H-Shuring, il y a du... L'écran est H de tous les côtés. C'est pas ouf. Comme je savais pas si c'était le stream ou pas, tu dis que peut-être que... Après, normalement, l'image aurait dû ralentir en même temps que le son. Tu es devenu très très nul en tank. Je ne plaisante pas. Ah, tu veux pas faire des trucs? Très bizarre. J'ai senti que le 1v1 avec le... Le son qui sort d'écran, mais normalement il devrait sortir de mes HP. D'accord. J'ai des moustiques qui me bouffent. Ah, faux contact ça. Oh là là, j'arrive pas à retourner. Les arrières, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tanks qui sont devenus inutiles, genre Rodog, Bulldozer. Reinhardt est très bon, mais je sais pas jouer Reinhardt. La nouvelle Orisa, j'ai du mal. D'abord, la suppression des adversaires juste après. YOLO. On a un Lucio, non? On ne va pas abandonner aussi facilement, pas vrai? Sleep. Une
Viens voir dessus. Viens voir dessus. Je voulais juste être chargé. Il y a tous les bloqués là. C'est Shield qu'il a mis, le bro Shield. Canon à partir. Hey, j'ai fait 7500 de DPS. 15 kills. Salut, c'est Kiliko. Salut, c'est Kiliko. Merde. Où les heals? Mais comment il est pas mort, Boog? Pas mauvais, ouais. Comme toi, Baptiste. C'est passé en vrai. Anna qui se barre et qui me slip. Anna qui fait chouf, je te slip, je me barre. Je me barre, je te slip. Ok Anna. Why not? Barre-toi et slip-toi. C'est bizarre ce que je raconte. YOLO! J'admire ta rigueur. C'est une qualité rare dans ce monde. Pas vraiment. Il y en a qui puisent leur force dans le physique, d'autres dans le mental. Et tu la puises, l'un comme l'autre. 4, tout à fait. 2, 1. Troisièmement, capturez l'objectif. Finissons en beauté. Pharah, elle tire et je me boucle dans le sol. Ah non, même pas. Ah, il y a un moustique. Arrière.
Bien joué, Lucio. Il a mis une bubble, mais bon. Eh, c'est ma dernière partie au passage, les gars. Putain, j'ai pas réussi à le tuer. Bah, elle est où son bras? Elle est bien Zarya, hein, mais... limite DPS, hein. Ah, c'est peut-être pas plus mal, hein. C'est vieux skin. J'ai pas trop de skin sur Zarya. Y'a un gars qui a écrit que Symmetra devrait être retiré du jeu. Ouais. Symmetra should be removed from the game. Le travail est sa propre récompense. Annulé ! Let's go. Bon, je vais voir. Bon, c'était cool comme stream. Là-bas, je voulais faire que du... je vais faire que du Forza Horizon. Du Forza Motorsport, pardon. Finalement, j'ai fait un peu de. Je vois que j'ai des sauts réseau. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est mon réseau qui déconne. Avec ta prise jack, oui, de ton PC. Voilà. Tu nettoies un peu, ça devrait passer. Elle est où mon écran? Non, ça a été ce stream. Ça fait juste chez qui je vous envoie. Ah, ben, à Taïwan, en fait. Comment ça se fait qu'elle stream toujours à cette heure-ci? C'est pour ça qu'elle dormirait. Ouais, c'est la game de trop là. Ouais, elle a dit la game de trop. Bon les gars, du coup, je vous laisse. Je vous dis ciao. Merci beaucoup. Merci Kaitaru pour la saison 7 de Overwatch 2 parce que je pense que je l'aurais pas fait. Et c'était plutôt une bonne surprise en vrai. En vrai, c'était une bonne surprise. Donc, je suis plutôt content. Et Forza Motorsport aussi, c'est mon premier amour, hein, les jeux de course comme ça. Les jeux de course, c'est vraiment partie de mes premiers amours. Sur ce, les amis, je vous laisse. Dis à tous d'un coup, soyez sages avec Taïwan Homme, mais je sais que ce sera le cas. J'ai la meilleure commu au monde. Et je vous dis ciao. Sur otakugame.fr, ciao, bye bye. Il y a des vidéos qui devraient pop sur la chaîne. Ciao, ciao. Justin Dammit.
Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Then I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad book like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that birthday, yeah. Abu Dhabi, with a bad book like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the Phantom off that birthday, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Scotty, ooh. Right beside me, in the Phantom off that body, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Scotty, ooh. Right beside me, in the Phantom off that body, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a boot wetter than Niagara, ooh. I'm a dog, I'm off the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. Now they're with me in these streets, ooh. Sky Bree hit me in my DM. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me.